Alors, bonjour ou bonsoir, selon le moment où vous allez visionner cette conférence, découvrez les six étapes favorisant la guérison de l'être. Alors, mon nom est Sylvain Bélanger, je pratique les thérapies intuitives depuis plus de 25 années, je suis également enseignant depuis plus de 15 ans, j'ai écrit quelques ouvrages qui concernaient donc le développement des habiletés intuitives, qui vous parle un petit peu de qu'est-ce que moi j'observe aussi des champs énergétiques des gens, parce que j'ai quand même plusieurs milliers de consultations sous la cravate, comme on dit, même si je ne porte pas de cravate aujourd'hui. Ce qui veut donc dire que j'ai quand même observé beaucoup de situations que des gens venaient me rencontrer pour diverses situations, divers problèmes, tant des problèmes de santé physique et énergétique, donc des gens qui étaient malades, que des gens qui avaient des problématiques psycho-émotionnelles, donc des gens qui avaient des problématiques relationnelles, des problématiques de vie intérieure, de déprime, etc. Et également des gens qui avaient des questionnements ou des crises spirituelles également qui étaient présentes. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un survol de beaucoup de divers problèmes et de développer donc des outils, puisqu'à partir du moment que moi j'ai commencé, j'avais une formation de guérisseur, j'avais suivi une formation pendant 3 ans, donc j'avais appris à développer les habiletés intuitives, telles que la clairvoyance de l'aura, en fin de compte, de percevoir l'aura, également de l'exorcisme et la guérison. Mais avec le temps, j'ai compris évidemment que ces outils-là étaient exceptionnels, sauf qu'il fallait sans doute les peaufiner ou en tout cas les adapter à ce que les gens me demandaient. Et c'est comme ça qu'est née justement l'approche l'écoute imaginaire, qui est une approche qui a existé pendant un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, je propose la pleine conscience intuitive. Pourquoi avoir changé de l'écoute imaginaire à la pleine conscience intuitive? C'est simplement une évidence. Je pourrais simplement vous dire que les gens qui suivent les formations avec moi sont emballés par le contenu des formations que je donne. Sauf qu'évidemment, l'appellation écoute imaginaire n'était pas une appellation qui les emportait, qui leur donnait envie de porter cette terminologie-là. Donc, ça m'a amené donc à la changer tout simplement parce que je constatais qu'il y avait vraiment très peu de gens qui avaient cette envie d'assumer ce titre-là d'écoute imaginaire qui portait à confusion. Donc, la pleine conscience intuitive est venue naturellement à moi comme étant la nouvelle appellation que je vais vous présenter évidemment tout au long de la conférence. Parce que la pleine conscience intuitive, qu'est-ce que c'est fondamentalement? C'est simplement reconnaître que mon imaginaire est un véhicule me permettant de développer la pleine conscience. Alors, comment je vais faire ça? Je vais simplement imaginer, hein, que simplement, je vais imaginer que je vais développer ma conscience qui est ici, que je vais localiser ici, et je vais la déplacer dans mon pied. Alors, si je déplace ma conscience de ma tête dans mon pied, ben, ça veut donc dire que j'ai été capable de déplacer ma conscience jusqu'à mes pieds. De quelle façon? Mais c'est souvent le véhicule imaginaire. Je l'appelle le véhicule parce que ça me permet de voyager. Et il me permet de voyager justement dans mes pieds. Et qu'est-ce qui va se passer quand ma conscience se dirige vers mes pieds? Je vais constater alors que des perceptions imaginaires, visuelles, auditives ou sensitives vont se manifester à moi. Si je reste dans une position de témoin et que j'observe ces perceptions-là, je vais constater qu'il y a un dialogue qui peut se mettre en place. Le dialogue, c'est que moi, en tant que témoin de ces perceptions-là, je peux les questionner. Et si je les questionne, elles peuvent me répondre. Alors, c'est là qu'un genre de dialogue qui prend forme. Alors, vous allez me dire, bon, est-ce que ça veut dire qu'on dialogue avec notre imagination? C'est un peu puéril, un peu fou, hein, quelque part, comme idée. Il faut savoir que la physique quantique nous apporte des réponses fort intéressantes. On amène l'idée qu'il existe un univers super lumineux. Un univers super lumineux, qu'est-ce que c'est? C'est un univers qui est parallèle à la matière. Donc moi, je fais de chair et d'os. Cet univers super lumineux-là est un univers qui est subtil, qui découle, on pourrait voir ça comme ceci, de la matière et vice-versa, là, mais on pourrait dire qu'il découle de la matière et qu'il n'est pas observable par nos yeux parce que justement, nos yeux ne sont pas capables d'enregistrer les particules qui vont plus vite que la lumière. Donc toutes les particules qui vont en dessous de la vitesse de la lumière, je suis capable de les visualiser, de les voir parce que c'est ça le monde terrestre. Quand on aborde l'idée que les particules vont plus vite que la lumière, c'est que ces particules-là, finalement, ne me donnent pas accès donc à ce monde subtil-là. Plus les particules vont plus vite que la lumière, plus j'accède à ce moment à un autre univers qui n'est pas observable. C'est pour ça que jusqu'à tout récemment, on n'avait pas convenu, on n'avait pas imaginé que ça pouvait exister. Maintenant que le développement de la physique quantique, on arrive justement à comprendre qu'il est possible d'envisager qu'il existe donc cet univers-là. Et puis selon moi, quand j'utilise le véhicule imaginaire, ben ce véhicule imaginaire-là, évidemment, peut être simplement de l'imagination, mais que quand je commence, et là c'est une question de positionnement, quand je commence à accepter l'idée que l'imaginaire est une porte d'entrée vers un autre univers que celui que je connais,
et que cet univers-là, justement, pour moi, cet univers super lumineux-là, je commence à comprendre que le langage imaginaire que je vais, avec lequel que je vais développer est un langage imaginaire qui me permet pas d'être relié à moi et à mes propres perceptions, à moi fermé dans mon monde. Ça m'ouvre vraiment, au contraire, à l'idée que ces perceptions imaginaires-là sont une ouverture vers un autre univers, une autre dimension que celle que je connais. Et c'est là qu'on aborde tout ce que les ésotérismes ont abordé pendant longtemps. Quand on parle du voyage astral, on peut facilement envisager que le voyage astral, c'est, d'une certaine façon, ma conscience qui va se déplacer dans cet univers super lumineux-là pour pouvoir se rendre réceptif à l'immensité très, très vaste de cet univers-là avec toutes les possibilités. Quand on parle du bas astral, du haut astral, des différents champs de conscience qui existent, mais évidemment, grâce à cet univers super lumineux-là, on peut y accéder. Donc, vous comprendrez que la pleine conscience intuitive, c'est un apprentissage où on apprend à reconnaître que l'imaginaire est un véhicule me permettant d'accéder à cet univers super lumineux-là. Et que si je suis capable d'accéder à cet univers super lumineux-là, c'est parce que j'ai accepté d'être dans une position de témoin et d'accepter que ces perceptions imaginaires avec lesquelles je suis en contact sont animées d'une forme de conscience, d'une forme de sagesse, qui vont m'amener progressivement à découvrir l'immensément vaste de cette sagesse intelligente-là. Donc, vous voyez que c'est ça, finalement, qui est l'objectif de la pleine conscience intuitive. Par un apprentissage d'enseignement, de technique, on apprend à voyager autour de soi, à voyager vers un partenaire, mais à voyager véritablement dans cet univers super lumineux-là pour découvrir, effectivement, qu'il est possible, dans cet univers-là, de voyager dans le passé, dans le présent et dans le futur d'une façon très naturelle, puisque cet univers-là n'est pas animé par les lois de la matière terrestre. C'est animé par d'autres règles et d'autres lois qui font qu'on peut justement voyager à volonté dans cet univers-là et communiquer avec l'immensément vaste. Alors, ça ouvre la porte à plein de possibilités. Alors, évidemment, aujourd'hui, on va en voir quelques-unes de ces possibilités-là, parce qu'évidemment, bon, on ne va pas aborder toutes les possibilités dans cette conférence-ci. Je vais me laisser le soin de vous faire d'autres conférences qui répondront peut-être à des questions que vous pourriez avoir. Puis je vous invite de toute façon à me faire parvenir des questionnements que vous auriez, des thèmes que vous aimeriez que j'aborde dans des conférences. Puis ça me fera plaisir de pouvoir simplement donc vous préparer des conférences avec le sujet que vous avez le désir et le souhait de découvrir. Donc, la pleine conscience intuitive, c'est ma capacité d'utiliser le support imaginaire, le véhicule imaginaire, pour voyager justement dans un univers super lumineux. Et cet univers super lumineux-là, on l'a compris, recèle à quelque part, accumule une connaissance sans fin et très très vaste, qui fait que moi, plus j'élargis mon champ de conscience, plus je suis capable de découvrir cette sagesse intelligente-là. Et plus je suis capable de m'ouvrir à son immense immensité, à son immensité. Alors, vous voyez, c'est ça un peu l'idée donc de la pleine conscience, et on peut l'appliquer vers soi, cette pleine conscience intuitive-là. On peut l'appliquer vers un partenaire, et on peut l'appliquer vers toute forme d'organisme vivant, que ce soit un animal, que ce soit la nature, des arbres, des plantes, des fleurs, des pierres, les étoiles, les planètes. On peut communiquer avec la vie sous toutes ses formes grâce à cette technique-là. Alors, c'est ça un petit peu que je vais essayer de vous faire découvrir dans cette conférence-ci, qui a pour objectif de vous faire découvrir les six étapes favorisant la guérison de l'être. Quand je dis la guérison de l'être, je ne fais pas référence uniquement à une santé physique ou énergétique, donc à des gens qui auraient des problèmes de santé physique, qui auraient des problèmes de maladie, mais davantage vraiment mettre l'emphase sur une guérison globale. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une guérison globale? C'est une guérison dans laquelle on reconnaît justement que l'être humain a donc des problématiques possiblement au niveau de sa santé physique, au niveau de son champ énergétique, au niveau de sa nature psycho-émotionnelle et au niveau de sa nature spirituelle. Ça veut donc dire qu'un être humain qui aurait une santé parfaite aurait donc une forme de santé dans tous ces champs-là que je viens de nommer. Et quelqu'un qui serait malade, bien évidemment, aurait donc possiblement une problématique qui le relierait à tous ces secteurs-là. C'est-à-dire que quand j'ai un problème de santé physique, on peut facilement envisager qu'il y a une problématique énergétique qui est associée à cela, une problématique psycho-émotionnelle, sans aucun doute, et fort probablement une problématique spirituelle. Donc, vous comprendrez donc, que quand il s'agit de santé, on ne peut pas dire la santé, ben, j'ai une maladie physique, et puis dire que c'est une maladie physique, je vais voir donc un médecin pour régulariser cette problématique-là physique en me disant justement que c'est uniquement là que ça se passe. On doit vraiment comprendre cette logique maintenant de plus en plus évidente grâce à la physique quantique, encore une fois, que tout est relié. Et que si on parle donc
d'une problématique physique. On sait maintenant aujourd'hui que le corps physique, finalement, le corps de chair et d'os, est animé par des mouvements subtils. Le physicien Pope a mis en évidence justement que le soleil émettait de la lumière et que les cellules de mon corps absorbaient et rémettaient cette lumière-là. Ça veut donc dire que quand j'ai une perturbation dans mon corps physique, ben j'ai une problématique d'organes physiques, par exemple, mais j'ai également une problématique énergétique dans la capacité que les cellules de mon corps ont de pouvoir absorber et émettre de la lumière. Dans cette lumière-là, on doit comprendre évidemment qu'il y a comme de l'information. Encore là, c'est un terme de physique quantique, de l'information qui souvent est reliée à ma conscience. C'est-à-dire que, par exemple, dans mon foie, je pourrais avoir une conscience de victimisation qui se trouve là, une conscience qui serait reliée à mon vécu ou qui serait reliée encore là avec à des mémoires provenant de mes ancêtres ou même de provenant d'autres vies. Donc, vous comprendrez ici que on parle donc d'une problématique de physique qui va donc avoir une relation avec une dimension énergétique et il peut y avoir donc dans cette dimension énergétique-là une forme de conscience, une information psycho-émotionnelle qui va donc perturber le fonctionnement de la circulation énergétique dans l'organe en question. Et que tout ça, mais pourrait effectivement avoir un impact sur ma dimension spirituelle, sur ma capacité à m'aligner à mon être. Parce que justement, cet organe-là serait comme déconnecté de sa source, déconnecté à quelque part de l'essence fondamentale du potentiel qui anime le foie en question. Alors, vous voyez que tout ça est un petit peu étroitement relié. Alors, évidemment, c'est ça un peu l'objectif de la conférence d'aujourd'hui, c'est de vous présenter les différentes étapes qui vont permettre justement de travailler sur cette globalité-là de l'être humain que nous sommes, de ne pas simplement regarder avec des loupes en se focusant sur une réalité, mais en essayant de garder la globalité de la chose. C'est ça un peu la pleine conscience. Hein. La pleine conscience intuitive, c'est retrouver une position de témoin qui va me permettre d'observer à quelque part, non pas seulement mon corps physique, mais observer ma réalité subtile. C'est ça un petit peu que quand on dit pleine conscience intuitive, la pleine conscience intuitive consiste justement à poser un regard sur ma réalité terrestre, sur mon corps physique, sur ma réalité énergétique, sur ma réalité psycho-émotionnelle, sur ma réalité spirituelle. Donc, vous voyez quelque part qu'on apprend dans cet état de pleine conscience intuitive à intégrer tous ces champs de réalité-là pour apprendre donc à se rappeler qu'on est un être de lumière et que cet être de lumière-là, pour retrouver sa lumière, ben, lui faut apprendre justement à se reconnecter donc avec sa source lumineuse, puis aussi apprendre à se détacher, à se dégager, à se libérer de toutes les formes d'identification qui ont pu se faire dans son expérience de vie actuelle, mais également dans toutes les résonances qu'il pourrait vivre avec son histoire familiale et toutes les résonances qu'il pourrait vivre avec des mémoires d'autres vies. Alors, c'est tout ça que finalement on cherche à développer à travers le processus de la pleine conscience intuitive. Maintenant, donc, on va commencer officiellement cette fameuse conférence, découvrir les 6 étapes favorisant la guérison de l'être. Alors, cette conférence-là, finalement, est un peu comme une préparation, une présentation de nouvelles lancées de formation que je vais proposer et dans lesquelles de nouvelles structures d'enseignement vont être données. Donc, la conférence va être suivie d'une démonstration, comme je fais souvent avec une personne de la salle. Et après ça, il y aura une présentation des promotions, c'est-à-dire des offres de pré-lancement des formations que je vais faire. Donc, pour ceux qui sont intéressés, bien évidemment, ils pourront y assister. Puis, évidemment, après la démonstration, bien, ceux qui ont peut-être plus envie, qui ont peut-être pas envie de connaître les promotions, bien, pourront simplement arrêter le visionnement de la conférence. Ça ne sera pas un problème pour moi, évidemment, puisque je comprends que l'idée ici, c'est de vous donner de l'information et que ceux qui sont intéressés pour les promotions, bien évidemment, ben, vous pourrez y assister à la toute fin. Donc voilà. Alors, commençons maintenant cette conférence-là. Donc, la première étape favorisant la guérison de l'être, c'est une étape qui est très, très importante, que moi j'appelle l'alignement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'alignement? C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, je suis fait de chair et d'os, et cet être fait de chair et d'os a les 2 pieds sur le sol. Hein, présentement, vous avez fort probablement les 2 pieds sur la planète Terre, qui est une immense, immense surface sur laquelle des millions d'êtres humains se retrouvent. Et ces 2 pieds sur Terre nous rappellent quelque part que sous nos pieds, il y a donc une planète vivante, c'est important de se le rappeler, qui, elle, émet une certaine forme d'énergie vers nous. Alors, ça veut donc dire quelque part que moi, en tant qu'être humain, je peux me dire, je suis un être fait de chair et d'os, et je peux ne pas reconnaître cette réalité qu'il existe un lien entre moi et ce champ tellurique de la Terre.
Mais maintenant, avec la physique quantique, c'est de plus en plus devenu une évidence que moi, en tant qu'être humain, je suis pas fait seulement fait de chair et d'os, mais je suis également un être subtil. Et cet être subtil signifie que mes pieds dégagent une certaine énergie et que la Terre dégage une certaine énergie et que de cette façon-là, nous sommes reliés. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, je suis relié à la planète Terre. Si je suis relié à la planète Terre, ça veut donc dire que la planète Terre émet une certaine énergie. C'est reconnu, hein? On dit que la planète Terre produit un champ. Le champ Schumann, c'est comme ça qu'on le nomme, qui a une certaine fréquence. Actuellement, c'est en train de changer. Il y a des gens qui disent, évidemment, que c'est beaucoup en relation avec la transformation de la conscience humaine, des changements de niveau de conscience que les êtres humains sont en train de vivre actuellement. C'est clair qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Moi, j'aimerais peut-être amener un bémol, puis un élément de réflexion, parce que je crois que c'est important. La planète Terre est un organisme vivant. On soigne mal la planète Terre. Alors, ce changement de fréquence que l'on peut observer sur la planète Terre présentement est certainement relié également aux mauvaises conditions qu'on donne à la planète Terre pour qu'elle puisse fonctionner, qu'elle puisse vivre. Donc, c'est un élément de responsabilité que je voulais amener là-dessus parce que c'est certain qu'il peut y avoir effectivement ce volet de transformation, de transmutation de l'être humain qui se fait à travers ça. Mais en même temps, il faut se rappeler ce que l'être humain fait avec la planète Terre et que certainement que cette façon qu'on traite la planète Terre a des conséquences dans la capacité de la Terre de transmettre une certaine fréquence, bienfaisante, pourrait-on dire, au niveau de l'être humain. Donc, quand on parle de l'alignement, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est ça. C'est qu'on doit se rappeler que moi, en tant qu'être humain, je suis relié à la planète Terre. Et la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que moi je fais pour me relier à la planète Terre? Hein, je pourrais très bien me dire, ah ben, je fais des marches dans la nature régulièrement. C'est ça, déjà pas mal. Régulièrement, le matin, je vais pieds nus à la rosée du matin. Ce serait pas mal aussi. Ce serait des façons, effectivement, de me relier à la planète Terre. Est-ce qu'on pourrait envisager maintenant que cette relation que je peux avoir avec la planète Terre, elle puisse être augmentée, amplifiée par le simple fait que j'utilise le véhicule imaginaire pour pouvoir justement voyager dans la Terre, pour me mettre en relation avec elle, et que la Terre, bien, effectivement, parce que je me mets en relation avec elle, bien, elle se retrouve dans une position d'amplification de sa capacité à me transmettre son énergie, et de cette façon-là, bien, inévitablement, je vais bénéficier d'une façon beaucoup plus importante de l'énergie de la Terre qui va circuler dans mes jambes et dans mon corps. Donc, l'alignement, pour moi, la première phase de l'alignement, c'est cette phase de ma relation avec le sol. Cette relation avec le sol va faire que je vais me sentir comme rechargé parce que l'énergie de la Terre, qu'est-ce qu'elle va m'apporter? C'est en quelque sorte un peu comme si j'avais une batterie et cette batterie-là a besoin d'être rechargée, de besoin de redonner de la vitalité dedans. Donc, ma relation avec la Terre va m'aider à être capable d'avoir des batteries fortes, puissantes. Donc, si je développe une conscience de ma relation avec l'énergie de la Terre, que je cherche effectivement à faire circuler l'énergie de la Terre de mes pieds jusqu'au sommet de ma tête et que je fais circuler cette énergie de la Terre dans tout mon corps et pour m'assurer justement que cette énergie de la Terre, elle est vraiment fluide et libre dans tout mon être, ben je suis en train de recharger mes batteries. Je suis en train de redonner à mon corps les meilleures conditions possibles pour être dans une position de vitalité. Donc pour moi, la première étape de l'alignement, c'est d'être capable de me dire, je suis capable de me tenir debout. Et quand je suis capable de me tenir debout, c'est parce que j'ai de la vitalité suffisamment grande pour être capable de reconnaître que cette position de verticalité que j'ai en moi, ben, elle se fait naturellement parce que l'énergie qui est en moi, elle est forte. Il suffit de penser à quelqu'un qui a le dos comme ça, hein, qui est tout le dos rond. Pourquoi cette personne aurait le dos rond? Ben, parce que justement, peut-être que cette position, ses batteries justement sont faibles et que son énergie n'est plus en mesure de circuler adéquatement pour l'amener à se redresser. Donc, première étape de l'alignement, certainement, c'est cette fameuse relation avec l'énergie de la Terre qui est fondamentale, qui me permet de développer donc une relation participative avec la Terre, c'est-à-dire que je ne suis pas passif dans ma relation avec l'énergie de la Terre, je reconnais que je suis un être vivant, je reconnais que la planète Terre est vivante et je me donne la permission de nourrir justement la vie qui existe entre moi et la planète Terre, de nourrir cette relation vivante pour que je puisse justement l'amplifier cette vie-là en moi. Donc c'est comme ça que je vais me retrouver dans une position où je vais me sentir plus solide sur mes deux jambes, plus fort, plus capable de me sentir ancré dans la réalité terrestre et plus capable donc d'intervenir dans le monde terrestre avec une certaine conscience, une certaine force, une certaine puissance, parce que je serai bien présent sur le sol. La deuxième étape de l'alignement, c'est cette capacité que j'ai de reconnaître que je suis maintenant entouré, hein, dès que je porte mon attention vers le ciel, je vois bien que le ciel, c'est un infiniment grand. Cet infiniment grand me rappelle à quelque part d'où est-ce que je viens. Ça me rappelle quelque part que moi, en tant qu'être humain,
Je suis donc relié à la Terre par cette relation très forte que j'ai avec avec le sol, avec la planète, mais je suis capable donc de porter mon regard vers l'extérieur, vers le ciel, pour me rendre compte de cet infiniment grand. Et cet infiniment grand me rappelle justement que moi, en tant qu'être humain fait de chair et d'os, je suis relié à un grand tout. Le physicien Pope a mis en évidence que le soleil émettait de la lumière et que moi, en tant qu'être humain, j'étais relié au soleil, en quelque sorte, puisque mes cellules de mon corps absorbaient et émettaient de la lumière. On sait que les planètes, les étoiles, dans le cosmos et dans l'infiniment grand, envoient sur la planète Terre des champs magnétiques, hein, des influx magnétiques. Alors encore là, c'est intéressant de se rappeler que ces influx-là, finalement, ben moi, en tant qu'être humain, je suis récepteur de tout ça. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, je suis donc relié au ciel. Et cette relation avec le ciel, ben, pourrait paraître absurde, hein? Ça pourrait même paraître ésotérique. Il n'y a pas si longtemps, envisager quelque chose comme ça nous aurait, beaucoup de gens auraient dit, mais c'est complètement ésotérique. Avec la physique quantique, encore une fois, ça remet en question cette vision que c'était ésotérique pour nous rappeler quelque part que c'est peut-être justement une totalement vraie cela. Qu'on est vraiment une antenne et que cette antenne-là, quelque part, elle vibre avec le soleil, elle vibre avec les étoiles, elle vibre avec les planètes aussi. Donc, vous en doutez, vous me voyez un petit peu venir avec l'idée justement que mon imaginaire est un véhicule qui me permet de voyager vers cet infiniment grand et me permet donc d'être en étroite relation avec cet infiniment grand. Alors, plutôt que d'être simplement passif dans l'idée que je suis participant d'un processus très vaste dans lequel je bénéficie d'une certaine énergie cosmique, je pourrais, par le biais de ce véhicule imaginaire, de développer, d'amplifier cette capacité que j'aurais de pouvoir recevoir l'énergie du soleil, recevoir l'énergie des étoiles et des planètes dans mon être et augmenter ma qualité bioénergétique. Alors, augmenter ma qualité bioénergétique, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que moi, mon corps, ben, c'est un ensemble de cellules. Cet ensemble de cellules absorbe et réémet de la lumière, ce qui veut donc dire qu'autour de mon corps physique, si je l'observe dans le subtil, je vais donc voir comme un genre de lumière qui est autour de mon corps physique, ce qu'on a longtemps appelé l'aura, qu'on appelle maintenant certainement le champ biolumineux, en tout cas c'est comme ça que moi j'aime bien le nommer, parce que ça nous rappelle à quelque part la bioluminescence provenant de nos cellules, et je pense que c'est important quelque part de se rappeler justement que le corps physique de chair et d'os est un ensemble de cellules qui absorbent et réémettent de la lumière, et que l'aura est une conséquence de cela. Ah, c'est intéressant de se rappeler tout cela, puisque ça nous permet de bien comprendre à quelque part ce qu'est la position d'alignement. La position d'alignement, c'est un être fait de chair et d'os, de matière, qui reçoit donc un champ tellurique de la Terre, qui reçoit un champ cosmique du ciel, et à travers ces deux énergies-là, il y a une espèce de mouvement ascendant et descendant qui s'effectue. Ce mouvement-là, lorsqu'il se fait de la façon la plus harmonieuse possible, sans heurts et sans obstacles, ça fait de moi un être qui est en parfaite santé. Parce que ça veut dire quelque part que je suis dans une position de verticalité et que l'énergie de la Terre et celle du ciel circulent dans mon être sans aucun obstacle. C'est ce qu'on appelle la négentropie en physique quantique, encore une fois. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de perturbation, il n'y a pas de friction. Et dans cet état-là, ma santé est optimale. Ma santé est optimale à quel niveau? Ben, ma santé est optimale au niveau physique. Mon corps physique a moins de friction, moins de résistance. Donc, les organes fonctionnent d'une façon plus importante, sans perte d'énergie. Dans mon champ énergétique, bien inévitablement, ça veut donc dire que je suis en mesure de prise, j'ai un potentiel santé qui est exceptionnel et je vais sans doute vieillir moins rapidement que la moyenne des gens, puisque quand l'énergie circule harmonieusement dans tout mon être et dans tout mon corps, bien ça veut donc dire quelque part que tous les organes, toute la fluidité de l'énergie se régénère, donc le vieillissement est beaucoup plus faible, donc je risque de pouvoir vraiment être en santé le plus longtemps possible. Donc je vais contribuer à donner à mon potentiel santé un maximum de possibilités pour que justement je puisse donc vraiment être en santé le plus longtemps possible. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose de fort intéressant dans cette idée que la Terre et le ciel, lorsqu'elles circulent à travers mon être et que je participe pour la faire participer, je lui donne l'occasion de pouvoir justement se donner les meilleures conditions pour que je puisse être en santé le plus longtemps possible. Parallèlement à la négentropie, il y a l'entropie. L'entropie, qu'est-ce que c'est? Mais c'est le contraire de la négentropie, c'est l'usure. Alors, supposons que dans cette relation avec la Terre et le ciel, je sois plein d'obstacles dans mon corps, qu'il y a plein de frictions, qu'il y a plein de blocages énergétiques dans mon corps. Mais ces blocages énergétiques-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas faire de moi un être malade. Ils vont faire de moi un être qui n'a pas un potentiel santé maximal. Ça veut donc dire que si j'observe le champ énergétique d'une personne qui n'a pas ce potentiel santé optimal, je vais peut-être voir des perturbations dans son champ énergétique. La personne n'est pas malade.
mais elle a des faiblesses énergétiques. Par exemple, je peux constater une congestion dans son bassin, je peux constater un désalignement au niveau de son cœur, je peux constater une surcharge au niveau de la gorge. Alors, tout ça, ce sont des symptômes d'une situation entropique, c'est-à-dire que l'énergie ne circule pas librement et qu'il y a donc des obstacles. Et ces obstacles-là, à court ou long terme, vont entraîner donc des perturbations énergétiques plus importantes, qui va entraîner des symptômes physiologiques inconfortables chez la personne. Puis évidemment, si elle ne fait rien avec tout ça, ben il risque qu'il y ait une maladie qui en résulte. Donc, on comprend ici que cette position d'alignement contribue à me mettre dans une position de santé parce qu'elle me permet de favoriser une circulation énergétique dans mon corps où la vie circule sans obstacle et sans friction. Et que dans cette situation-là où tout fonctionne harmonieusement, j'ai un potentiel santé exceptionnel qui en résulte. Mais j'ai également une capacité psycho-émotionnelle de fonctionner qui est optimale aussi. Parce que quand cette circulation énergétique se fait optimalement, bien mon cerveau est capable justement de faire face aux diverses situations de vie avec une capacité d'adaptation remarquable de la même façon. Donc, vous voyez que toute cette position d'alignement va m'aider justement à être dans la meilleure condition possible pour être un être humain qui va fonctionner le plus en accord avec ses ressources et ses capacités. Maintenant, quand on est à cette position d'alignement-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à réunir la terre et le ciel dans notre cœur. Cette position de reconnexion avec le cœur est importante parce que dans le contexte de la pleine conscience intuitive, elle nous rappelle une chose. Elle me rappelle que moi, je suis un être qui est relié au sol, je suis relié avec l'énergie du ciel, donc je suis vraiment une antenne. Et cette antenne-là, pour qu'elle puisse justement vibrer à son meilleur diapason, ben, à quelque part, je dois avoir un outil intérieur de moi qui va me permettre de pouvoir me rendre conscient de des difficultés que je pourrais avoir à laisser circuler l'énergie en moi. Alors, cette difficulté-là, bien évidemment, ça pourrait se produire. Puis, pour arriver justement à devenir conscient de ces difficultés-là, ce fameux soleil rayonnant lumineux, l'expression de la terre et du ciel dans mon cœur, va amplifier mon cœur, va amplifier également l'organe lutimus qui est relié au système immunitaire et va me permettre donc de voyager en moi avec cette lumière-là. Et ce voyage-là va m'amener justement à découvrir que cette lumière-là va être capable de mettre en lumière justement des zones de conflit, des zones de désaccord, que ce soit au niveau physiologique, au niveau énergétique, au niveau psycho-émotionnel, au niveau spirituel. Cette lumière-là va mettre en lumière toute forme de désaccord que je pourrais avoir dans ma conscience. Donc, vous voyez que la position d'alignement va contribuer, encore une fois, à me rendre de plus en plus pleinement conscient, on va dire ça comme ceci, de ma structure physique, énergétique, psycho-émotionnelle et spirituelle. Et ça va me donner l'opportunité, justement, à cette position d'alignement-là, à développer une relation spirituelle, puisque dans cette position d'alignement où je me tiens debout, ben je suis dans une position, à quelque part, où je suis capable de reconnaître que ma conscience, donc mes deux pieds sont sur le sol, et que ma conscience ben, elle peut s'étendre vers le ciel, jusqu'à renouer contact avec, finalement, l'essence fondamentale de mon être, l'expression originelle de qui je suis, ce qu'on pourrait appeler l'âme aussi. Et dans ces conditions-là, ben évidemment, cette position d'alignement-là va contribuer à me mettre en contact avec la perfection de qui je suis, avec l'essence lumineuse de qui je suis. Et c'est important de bien comprendre ce qu'est cette essence lumineuse-là. Parce que cette essence lumineuse, qu'est-ce que c'est? C'est la position de témoin qui regarde de très très haut ce que je suis et qui comprend que je suis parfait. Et que parce que je suis parfait, je suis capable de poser un regard sur l'ensemble de qui je suis, qui lui peut-être n'est pas parfait, mais que moi je peux apprendre justement à tendre la main à chacune de ces facettes-là qui seraient peut-être pas parfaites pour justement faire un travail pour qu'il y ait une réorganisation qui puisse se faire pour que la perfection soit la plus présente possible dans la structure du champ énergétique. Donc, vous voyez que cette première étape-là qui est l'alignement, ben elle contribue vraiment à me mettre dans une position de pleine conscience où je reconnais quelque part que ma position que je vais chercher à développer tout au long de ma pratique, c'est une position spirituelle dans laquelle je reconnecte avec l'essence fondamentale de qui je suis, qui est une reconnaissance à quelque part d'une forme de perfection qui est en moi, et que cette perfection-là me permet de poser un regard sur tout ce qui est en dessous de cette perfection-là pour commencer justement à tendre la main, par exemple, aux résonances que je pourrais avoir avec des mémoires d'autres vies, aux résonances que je pourrais avoir avec des mémoires familiales, à mon histoire personnelle, à ma structure énergétique, à mon corps physique. Je vais donc apprendre justement à découvrir à travers ce regard de perfection-là tout ce qui peut perturber la perfection.
Et je vais apprendre justement donc à renouer contact avec tous ces éléments-là d'imperfection pour leur donner tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent renouer contact avec l'alignement, justement, l'alignement de qui je suis, pour être capable de favoriser cette position de bien-être et d'harmonie que je viens de vous décrire justement. Donc ça, c'est pour la première étape. Puis j'aimerais peut-être dire une autre chose concernant cette fameuse notion d'alignement. L'alignement, ça veut dire que je suis dans une position de verticalité. On sait, nous, en tant qu'être humain, qu'on est souvent dans une position d'horizontalité. L'horizontalité, ça signifie quoi? Ça signifie que moi, en tant qu'être humain, quand je regarde la réalité, qu'est-ce que je vois? Je vois l'extérieur. Je vois, il y a moi qui est à l'intérieur de moi-même, et puis il y a moi qui pose un regard vers l'extérieur. Le regard que je pose vers l'extérieur, c'est le regard que je pose le plus naturellement possible. C'est comme naturel de faire ça. Hein, tous les êtres humains, c'est ce qu'on fait. On regarde l'extérieur. Et qu'est-ce qu'on voit vers l'extérieur? Ben, on voit évidemment le monde terrestre tel qu'on est capable de l'enregistrer par nos sens. Et on va voir quoi? On va voir effectivement des événements de la vie qui vont venir nous parler, nous dire des choses. On va rencontrer des gens, par exemple, qui vont nous refléter certains types d'expériences relationnelles qu'on va expérimenter. On va rencontrer des événements de notre vie qui vont aussi nous parler. Ce que je veux vous amener ici, c'est que tout doucement, en portant notre attention vers l'extérieur, on devient conscient que l'univers nous fait vivre des choses. Et ces choses-là, quelque part, nous ramène à quoi? Nous ramène à nous, c'est-à-dire nous ramène à notre monde intérieur. C'est-à-dire nous ramène à nous dire, bon, mais pourquoi, par exemple, telle personne, je suis en conflit avec elle, par exemple, hein, ça me ramène vers mon intérieur, ça me ramène vers ma position intérieure, cette position de verticalité dont j'ai parlé tout à l'heure, d'alignement, en fin de compte. Hein. C'est-à-dire que plus j'apprends justement à reconnaître que la vie me transmet des événements, des situations relationnelles, etc., et que tout ça a un sens. Mais ça m'amène à développer donc l'idée que l'univers a une loi d'attraction, en fin de compte. Cette loi d'attraction, c'est que moi, en tant qu'être humain, j'ai dans mon champ énergétique un certain bagage d'informations. Et ce bagage d'informations, quand je sors, quand je pose mon regard vers l'extérieur, ben l'extérieur me renvoie un certain nombre d'informations qui vont m'obliger, d'une certaine façon, me refléter ce qui anime mon être. Et que si j'apprends, moi, être capable d'accueillir ça comme étant des messagers, ben, je vais apprendre donc à poser un regard à l'intérieur de moi-même pour comprendre que ce qu'on me montre dans ma vie actuellement, c'est des choses que je dois apprendre à dénouer à l'intérieur de moi-même. Alors, comprenez ici que ça devient intéressant parce que l'alignement me permet justement de me retrouver dans une position où je ne suis pas en train de pointer du doigt à l'extérieur, je ne suis pas en train de me victimiser par rapport au monde physique extérieur, je suis en train au contraire de me responsabiliser par rapport à ma propre réalité. Et cette propre réalité, quand je me responsabilise par rapport à elle, ben, ça me donne l'occasion, donc, de me connecter avec mon essence fondamentale, ma grandeur, de ne plus être finalement celui qui se sent petit, qui se sent diminué, qui se sent victime, qui se sent agressé ou je ne sais quoi. Alors, l'autre chose aussi que j'aimerais vous aborder comme sujet par rapport à cette notion d'alignement-là, c'est que là, on vient de parler du monde terrestre, ma relation avec le monde terrestre. Maintenant, si je ferme les yeux, qu'est-ce que je vais découvrir? Je vais découvrir qu'en fermant les yeux, il y a des informations qui circulent en moi. Il y a des images, des mots, des sensations, des pensées, des émotions, des événements, des scènes qui vont surgir, etc. Plein de choses qui peuvent se produire. Et ça aussi, ça fait partie de la fameuse loi de l'attraction. C'est-à-dire que moi, dans ma position d'alignement, je reconnais que même dans mon monde intérieur, il y a une somme d'informations qui se manifestent à moi. Et cette somme d'informations qui se manifestent à moi a une raison d'être et un sens. Et que quand j'apprends justement à comprendre que tout ça n'est pas dû au hasard, mais qu'il c'est relié effectivement à un certain flot d'informations que je dois apprendre justement à accueillir, puis à comprendre pour me donner l'opportunité de me libérer des programmations que j'ai pu accumuler dans ma vie, ben vous comprenez que l'alignement, cette première étape-là de l'alignement, est vraiment, vraiment fondamentale pour le cheminement que l'on a à effectuer dans une vie. Et comment peut-on s'aligner? Ben, je vous invite, pour ceux qui ne la connaissent pas, la pratique de l'enracinement. Il y a une technique qui est gratuite sur le site, le blog développementconscience.com. Vous pouvez vous inscrire et accéder, donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, au module 1 de la formation personnelle qui vous donne accès justement donc à la technique d'enracinement puis à d'autres petites informations sur le décodage intuitif. Mais vous avez au moins la technique d'enracinement qui vous est enseignée de façon assez importante, qui vous explique comment la faire. Et qui va donc favoriser l'alignement. C'est certain que l'enracinement est une technique parmi d'autres techniques pour l'alignement, mais c'est quand même une technique fondamentale. Donc, ceux qui seraient intéressés à découvrir ça, mais ce serait une belle façon de pouvoir donc aborder, de mettre en pratique justement cette notion d'alignement que je viens de vous présenter.
Alors, s'il y a des questions, évidemment, n'hésitez pas à me le faire savoir concernant chacune des étapes que je vous présente. Vous avez simplement qu'à les inscrire sur le chat et puis moi, tout au long de la conférence, je pourrai y répondre. D'accord? Donc, on va y aller maintenant avec la deuxième étape favorisant la guérison de l'être, qui est une deuxième étape qui est vraiment une continuité de ce que je viens de vous présenter. C'est-à-dire que l'idée, c'est de développer la pleine conscience intuitive pour retrouver le témoin en soi et connaître la raison d'être de toute chose. C'est-à-dire que je vous ai expliqué, évidemment, qu'il se présente plein d'événements dans notre vie. Dans la vie, on sort dans la journée, puis il y a plein de choses qui peuvent se produire dans notre vie qui vont nous refléter des choses. Hein, on rencontre des gens, pourquoi ces gens-là, on les rencontre, qu'est-ce qu'ils vont réveiller en nous, il y a des événements dans notre vie, pourquoi ces événements-là se produisent, etc., etc. Ce sont, comme je disais tantôt, une forme, c'est comme la loi de l'attraction qui se met en branle à ce moment-là. Et dans mon monde intérieur, c'est la même chose. Si je ferme les yeux, bien évidemment, il y a plein d'informations qui peuvent se produire à l'intérieur de mon être qui vont m'enseigner aussi des choses. Donc, l'idée que la pleine conscience, c'est de retrouver la position de témoin. La position de témoin, c'est cette fameuse capacité que j'ai de renouer contact avec mon soleil, expression de la terre et du ciel dans mon cœur. Et ce soleil-là va me permettre de voyager en moi pour mettre en lumière des zones d'irritation, des zones d'inconfort qui sont en moi, prendre le temps donc de décrire ce que je vois, entends et ressens et de les questionner pour apprendre justement à constater que quand je questionne ces perceptions-là, il y a une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui en résulte. Et cette sagesse-là, bien, quelque part, me transmet de l'information qui va me faire découvrir justement que mon corps connaît des choses que je ne connais pas. Et la pleine conscience intuitive, évidemment, là, c'est une première étape très basique que je viens de nommer, mais c'est sûr que la pleine conscience intuitive va me permettre d'élargir mon champ de conscience pour comprendre que toute manifestation, quelle qu'elle soit, on possède une forme de sagesse, une forme d'intelligence, et que moi, en étant dans une position de témoin, je peux apprendre donc à les déceler, à les décoder d'une façon de plus en plus importante. Alors, ce décodage-là, évidemment, peut se faire tant dans une problématique énergétique ou physique que je pourrais avoir. Par exemple, j'ai une maladie X, Y, Z, je pourrais prendre le temps de mettre de la lumière dessus pour prendre le temps d'aller chercher de l'information sur la raison d'être de la maladie. Je vais constater aussi qu'il est possible de découvrir la raison d'être de la maladie d'un point de vue énergétique et physique, donc de comprendre la problématique physiologique et la problématique énergétique associée à la maladie. Mais je peux également découvrir qu'il y a une nature psycho-émotionnelle autour de la maladie, qui peut être intéressante à découvrir aussi, puis une nature spirituelle. Donc, ça veut dire, on dit que le questionnement que je vais apprendre à faire peut m'amener à découvrir, avoir des informations sur ma santé physique, ma santé énergétique, ma santé psycho-émotionnelle et ma santé spirituelle. Donc, l'idée de la pleine conscience intuitive dans ces conditions-là, c'est d'apprendre donc à voyager dans chacune de ces sphères-là pour découvrir qu'il est possible d'accéder à chacun de ces univers-là. Comment va-t-on faire ça? Évidemment, je ne vous donnerai pas un cours aujourd'hui parce qu'on manquerait de temps, mais je vais vous donner des clés, par contre, importantes. Si vous voulez aller dans votre corps physique, prenez un livre d'anatomie physiologie et commencez à regarder à quoi ressemble votre corps. Alors, si vous voulez voir votre foie, bien, allez voir à quoi ressemble votre foie. À partir de ce moment-là, allez porter votre attention avec votre imaginaire vers votre foie et observez comment il se manifeste à vous. Prenez le temps de le décrire et de le questionner. Vous allez découvrir effectivement qu'il est possible que votre foie commence à établir une discussion avec vous, par exemple. Si vous voulez finalement davantage mettre l'emphase sur le champ énergétique, prenez le temps d'identifier les différents états qui animent un champ énergétique. La surcharge, l'hypoactivité, l'hyperactivité, le désalignement, l'équilibre, tout ça, ce sont des états qu'on retrouve dans le champ énergétique, qu'on l'observe. Et évidemment, qu'on apprend justement à être capable d'observer ces états-là, d'être capable de les identifier. On peut donc arriver à faire un voyage dans notre champ énergétique pour découvrir les différents états énergétiques qui animent notre être. Et encore là, chercher donc à comprendre la raison d'être de chacun d'eux. Si on va vers la nature psycho-émotionnelle, moi, souvent, ce que je propose de faire, c'est de se mettre en relation avec des états de conscience qui sont en moi. Par exemple, je dois travailler sur l'insomnie. L'insomnie, ce n'est pas moi. C'est un état de conscience. Par moment, je suis dans un état d'insomnie. Donc, je pourrais très bien projeter sur un écran cet état-là de Sylvain insomniaque et de commencer effectivement à prendre le temps de décrire ce que je vois, entends et ressens et questionner l'insomniaque qui est là, puis de découvrir qu'il peut me répondre. Donc, vous voyez que c'est toutes des façons de faire qui sont accessibles et possibles pour chacun d'entre nous. La dimension spirituelle, bien évidemment, ça voudrait dire quelque part que moi, j'accepte l'idée pour me mettre en relation avec ma dimension spirituelle, que je peux donc élargir mon champ de conscience à un point tel que je vais être capable de connecter avec une sphère très, très élevée dans laquelle la mémoire humaine n'existe pas et dans laquelle je vais apprendre justement à établir une relation
d'échange avec cette source-là. Vous voyez? Si on vient avec un niveau plus bas, je reviendrai avec le niveau justement des mémoires familiales et les mémoires d'autres vies. Bien, les mémoires familiales, ça veut donc dire que je pourrais me mettre en relation, en communication avec mon arrière-arrière-arrière-grand-père avec lequel je voudrais régler quelque chose, par exemple. Donc, vous voyez qu'on peut très bien le faire, toujours en utilisant le support imaginaire et en découvrant que par la position de témoin, on constate que ce n'est pas de l'imaginaire qui va apparaître devant nous, mais ce sont des informations, des structures mémorielles qui sont en nous et qui sont présentes en nous et avec lesquelles on peut échanger et avec lesquelles on peut obtenir de l'information qui vont nous permettre justement de comprendre la raison d'être des problèmes qui peuvent être présents. Donc, vous voyez que ça pourrait être fort intéressant. La mémoire d'autres vies, même chose. On pourrait très bien se mettre en relation avec des mémoires d'autres vies. Par exemple, il y a des thèmes qui reviennent dans ma vie, qui font référence à une certaine époque de l'histoire humaine. Je pourrais très bien me dire, mais tiens, je vais me mettre en relation avec cette époque-là, puis voir qu'est-ce qui va en résulter. Alors, vous voyez qu'encore là, ce serait une autre façon de faire. Il y a une question qui m'est posée. Si dans une conversation, je suis irrité par un mot, c'est parce que je ne suis pas aligné par un mot de mon interlocuteur, bien sûr. Bien, l'alignement, quelque part, ne signifie pas, quelque part, qu'on va être insensible à tout ce qui va se passer dans notre vie. Si quelqu'un, par exemple, moi, je suis un alignement, ben, l'alignement, ça veut donc dire, quelque part, que je suis dans une position où je suis capable de m'assumer en tant qu'être humain. Alors, si quelqu'un me dit un mot qui m'irrite, ben, à quelque part, si je suis dans une position d'alignement, je pourrais très bien simplement lui dire, regarde, ce que tu viens de me dire, quelque chose qui me fait réagir en moi. J'aimerais ça te le partager pour qu'on puisse échanger, puis qu'on puisse, à quelque part, que je puisse me libérer de ça, puis qu'on puisse faire évoluer la relation dans un échange beaucoup plus constructif et positif, si tu veux bien. Je donne cet exemple-là. Ça fait référence, entre autres, hein, pour moi, j'ai abordé beaucoup la communication non violente, que j'aime beaucoup, que j'ai cherché à proposer dans le cadre de mon enseignement aussi, parce que j'ai trouvé que c'était fort intéressant. Alors, je réfère à cela pour toi, de Marie, si tu as envie d'aller un peu plus loin à ce sujet-là. Mais l'alignement ne signifie pas qu'on soit le bon Dieu et puis qu'on soit pas sensible à quoi que ce soit. Ça signifie simplement qu'on soit capable de gérer quoi que ce soit, qu'on soit capable de faire face à quoi que ce soit. Qu'on soit capable donc de s'assumer dans ce que l'on vit. Alors, on est un être, il y a des gens, on est tous différents. Il y a des gens qui sont hypersensibles, d'autres qui le sont moins. Et dans la position d'alignement, ben, il y a un niveau de maturité aussi dans notre expérience de vie qui font qu'on va être plus ou moins réactif à diverses choses. Donc, je pense que c'est important de respecter cela. Alors, j'espère que je réponds à la question de Marie pour ce sujet-là. De toute façon, vous pouvez interagir avec moi, ceux qui le souhaitent ou qui le veulent. Hein. Vous pouvez me faire part de questionnements ou d'interrogations que vous pouvez avoir sur ce qui est présenté dans la conférence ou même sur d'autres sujets si vous en avez envie. Donc, la deuxième étape, vous l'avez compris, c'est une capacité que j'ai, moi en tant qu'être humain, de voyager dans mon être et de voyager dans l'univers superlumineux. Faut être capable donc de toucher plein de domaines. Je viens de donner plein d'exemples possibles que vous pourriez appliquer dans votre vie, qui pourraient vous permettre justement de faire un travail sur en état de pleine conscience intuitive, sur des thèmes qui vous permettraient de finalement continuer à préserver cette position d'alignement qu'on a vu tout à l'heure. La troisième étape que j'aimerais, donc on a compris, c'est que la deuxième étape permettait de développer la raison d'être des choses, donc de développer la connaissance de soi. La troisième étape, c'est déprogrammer le programme. Le programme qui anime notre être et qui limite notre conscience à un certain cheminement. Et on est limité à quelque chose, on ne peut pas progresser, on ne peut pas évoluer comme on le souhaiterait. Donc la troisième étape de déprogrammation va consister justement à découvrir que dans cette position d'alignement, dans cette position de témoin, dans cet état de pleine conscience dans lequel je suis capable de découvrir la raison d'être de toute chose, je peux également, après avoir découvert la raison d'être de toute chose, proposer à la manifestation et dans l'immédiat ce que je peux faire pour l'aider dans l'immédiat. Alors ça, c'est quelque chose de vraiment très puissant. Ça peut paraître presque banal quand on parle de cette façon-là. C'est que déprogrammer, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que quand je fais des voyages dans mon être, quand je fais un voyage, je suis un partenaire, je vais découvrir que dans ces voyages-là, je vais constater qu'il y a des énergies qui sont figées. Il y a des informations qui circulent dans mon être ou dans celui de mon partenaire qui sont perturbées, qui sont limitatives, qui sont répétitives, qui ne favorisent pas l'harmonie. Alors moi, qu'est-ce que je vais chercher à faire quand je fais
la pleine conscience intuitive pour comprendre la raison d'être de ces perturbations-là, j'apprends à découvrir la raison d'être de la souffrance qui est là. Puis quand j'arrive à la déprogrammation, je dis maintenant que je comprends ta souffrance, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider pour que tu ne souffres plus? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider pour que tu ne souffres plus dans l'immédiat? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis un créateur et que ce créateur-là peut créer dans le monde subtil tout ce qui est nécessaire pour que l'information avec laquelle je suis en communication, je puisse lui donner ce dont elle a besoin pour qu'elle ne soit plus la même souffrance qu'elle ne l'était. Par exemple, je suis dans un état de victimisation très élevé, je ne dis pas moi, mais la mémoire avec laquelle je suis en contact, et je découvre que cette victimisation-là est très élevée par un manque d'amour très, très profond, etc. Et je lui demande à cette énergie-là, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider dans l'immédiat? Puis elle me dit, j'aimerais besoin que tu me donnes énormément d'amour. Et là, à ce moment-là, évidemment, si on est en contact avec la pleine conscience intuitive, on se dit, ben voilà, je vais donc créer de l'amour et je vais te donner de l'amour que tu me demandes. Et parce que je te donne cet amour-là, tu vas donc la recevoir. Et si tu la reçois, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va y avoir une transformation. Alors, si on prend le temps de comprendre ce que je viens de vous dire, c'est intéressant de réfléchir à que, parce que là, finalement, ça pourrait paraître très simpliste que ce que je viens de vous dire. Ça pourrait être un presque enfantin. Puis je vous dirais que les enfants ont compris bien des choses que nous, on n'a pas compris. Puis malheureusement, avec le temps, en tant qu'on leur enseigne à devenir adultes et on leur enseigne quelque part de s'éloigner de certaines vérités. Si je demande à cette énergie, qu'est-ce qu'elle a de besoin? C'est-à-dire que je demande une information énergétique qui est en moi, hein, qui est engrammée, qui est perturbée, qui est limitée. Ce que je peux faire pour l'aider. Et si elle me dit, j'aurais besoin que tu me donnes de l'amour, ben moi, si je suis en train de créer de l'amour pour lui donner, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de créer de l'information en accord avec la demande qui est là. Et cette information-là va, je vais lui envoyer à cette mémoire-là ce qu'elle me demande. Et c'est en quelque sorte, cette mémoire-là, qu'est-ce que c'est? C'est à quelque part de l'information qui se trouve dans mes cellules. Et quand j'envoie de la lumière dans cette information qui se trouve dans mes cellules, ben, je suis en train de réorganiser cette lumière-là. Et les cellules, à quelque part, qui se trouvent présentes là, vont se réorganiser selon de nouvelles conventions lumineuses. Et on sait maintenant, en épigénétique, qu'on a longtemps cru, à quelque part, que les gènes ne bougeaient pas. Et on commence à constater que les gènes peuvent bouger, que les croyances peuvent changer la génétique, peuvent changer quelque part, donc le code génétique. Alors, c'est intéressant de comprendre que la déprogrammation, est sans doute un travail de lumière. C'est un peu comme moi, j'interviens en tant qu'être de pleine conscience intuitive et je donne de la lumière, je donne de l'information énergétique à une certaine région de mon corps qui est en demande. Et cette information énergétique que je lui donne, c'est une somme de lumière, c'est une quantité de lumière avec de l'information bien adaptée qui vont faire que la mémoire en question va se transmuter, va se transformer. Alors, vous comprendrez évidemment que la déprogrammation, c'est ça quelque part la beauté de la chose, c'est que moi, en tant qu'être de pleine conscience intuitive qui est en liaison avec la perfection, je peux intervenir à tout moment, à tout instant, avec cette capacité que j'ai d'inventer, de créer, pour pouvoir répondre à toute forme de demande qui anime mon être, parce que je suis connecté avec cette forme de perfection qui est en moi. Et c'est pour ça que c'est si important de développer une position de pleine conscience intuitive et de s'aligner pour se rappeler quelque part qu'on est toujours dans cette position d'alignement-là pour effectuer un soin vers le travail mémoriel sur lequel on peut se sentir limité dans notre propre champ énergétique. Donc, vous voyez que cette troisième étape-là est vraiment fort importante. Puis, évidemment, elle peut s'appliquer vers un partenaire, parce qu'un partenaire, ben lui, évidemment, je vais me mettre en relation avec sa mémoire à lui, avec ses programmations à lui. Je vais lui demander qu'est-ce que je peux faire pour l'aider dans l'immédiat à ces mémoires-là. Ces mémoires-là vont me répondre. Et encore là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais envoyer de la lumière animée par une certaine information qui va donc effectuer une information lumineuse dans les cellules de la région concernée de mon partenaire et je vais donc favoriser une transformation. Ah, c'est tout ça, quelque part, l'art de la déprogrammation, c'est de libérer un état figé qui est en moi ou dans mon partenaire et de lui donner l'autorisation de ne plus être figé. Et si je lui donne l'opportunité de ne plus être figé, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça, c'est par expérience que je vous dis ça. On constate que la mémoire qui était figée va se transformer en quelque chose qui s'apparente à un potentiel évolutif. C'est-à-dire que, par exemple, la partie de moi qui se sentait mal aimée, ben, si je lui donne tout ce qu'il faut pour qu'elle se sente aimée, ben, elle va me montrer une facette de moi que je n'avais pas vue encore, qui n'avait pas été encore actualisée, parce que j'étais trop limité par la blessure émotionnelle que je vivais depuis un certain temps, qui était reliée au fait que je ne me sentais pas aimé.
Donc, le fait que je donne à cette énergie qui ne se sent pas aimée tout ce dont elle a besoin pour qu'elle se sente aimée, mais elle va me refléter une nouvelle expression de moi-même. Et cette nouvelle expression de moi-même, c'est une facette de moi qui est plus alignée, qui est plus dans une position d'équilibre avec mon être. Et c'est comme ça que je vais découvrir progressivement de quelle façon que justement la déprogrammation me met en relation avec le potentiel de transformation, le potentiel évolutif qui est en moi, et de quelle façon que je peux le favoriser, le nourrir. Parce que plus je déprogramme mon être, plus je me mets en relation avec des potentiels évolutifs qui sont en moi, et plus ces potentiels évolutifs-là me montrent le chemin pour pouvoir actualiser ce que je suis. Et on va voir dans les autres étapes qui vont venir ensuite, de quelle façon que ce potentiel de transformation-là, ben, on va pouvoir l'aider à ce qu'il puisse prendre forme dans notre vie, dans un autre temps, dans une autre étape du processus. Donc, ça, c'était pour l'étape 3 que j'avais envie de vous partager. Maintenant, la quatrième étape de ce processus de faire. Donc, vous avez compris que la déprogrammation, elle peut s'appliquer dans le corps physique, dans le champ énergétique, dans la nature psycho-émotionnelle, dans la nature spirituelle de la même façon. C'est-à-dire que déprogrammer la mémoire, c'est quelle que soit la mémoire qui est figée, je peux intervenir dessus pour la déprogrammer. Ensuite, l'étape 4, c'est retrouver l'unité. Alors, retrouver l'unité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je constate, moi, que dans mon champ énergétique, j'ai des mémoires figées, des mémoires perturbées, on pourrait dire que ces mémoires figées ou perturbées sont des énergies qui sont en désaccord avec moi. Si elles sont en désaccord avec moi, ça veut donc dire qu'elles ne sont pas, je ne suis pas réunifié à elles, je ne suis pas unifié à elles, je suis fragmenté en quelque sorte. J'ai des énergies qui ne sont pas en accord avec moi. Donc, si elles ne sont pas en accord avec moi, je ne peux pas donc me sentir en harmonie avec elles. Donc, le travail, retrouver l'unité, c'est que par la déprogrammation, je vais donc donner à des mémoires qui sont figées tout ce dont elles ont besoin pour se libérer, se dégager de leur mémoire limitative. Et comme acte de guérison, pour concrétiser ou finaliser le processus que j'aurai effectué à ce moment-là, je vais donc favoriser l'unité. De quelle façon que je vais favoriser l'unité? Il y a une très belle technique que je nomme la technique de réunification ou d'accueil, qui est une technique vraiment très importante et qui concerne vraiment le travail de la pleine conscience intuitive, dans lequel j'apprends à témoigner de l'amour envers une énergie avec laquelle je cherche à me mettre en harmonie avec. Donc, la technique de déprogrammation de la mémoire va être utilisée pour justement libérer toute forme de programmation qui pourrait m'empêcher de pouvoir me réunifier à cette énergie-là. Et l'acte de réunification est un acte d'amour dans lequel j'apprends simplement à développer un cocon d'amour autour de l'énergie avec laquelle je travaille et de l'amener dans mon cœur. Évidemment, la technique est plus complexe que ce que je viens de vous décrire, mais globalement, c'est ça que ça veut dire. Ça veut donc dire que toute forme d'acte de guérison qu'on l'on souhaite effectuer, qu'il soit à niveau physique, énergétique, psycho-émotionnel ou spirituel, il y a un acte d'amour qu'on doit adresser à l'énergie avec laquelle on fait un travail. Cet acte d'amour, c'est un acte pour retrouver l'unité. C'est-à-dire de dire à cette énergie-là, on était très loin, on s'était vraiment perdu de vue. Là, je t'ai dégagé, je t'ai libéré, je t'ai donné tout ce que tu avais besoin pour être bien avec moi. Maintenant qu'on s'est retrouvé, on va se remettre en relation avec soi, on va se prendre dans nos bras, puis on va se dire que l'on s'aime. S'aimer signifie aussi se pardonner. Parce que si je ne me suis pas pardonné, je ne pourrais pas me retrouver cette unité-là. Alors, ça me fait penser, donc, évidemment, à la fameuse technique l'Ho'oponopono, hein, qui met en évidence, justement, que le pardon est une clé fondamentale de la guérison, et c'est totalement juste. Moi, dans la technique que je viens de vous nommer très sommairement, parce qu'elle est un petit peu plus complexe que ça, quand même, j'ai pu voir, moi, que c'était très efficace avec des gens, par exemple, beaucoup d'infirmières qui travaillaient en psychiatrie, me demandaient, je leur proposais cette technique-là, puis je leur disais, bon, ben, quand vous allez voir une personne avec laquelle vous êtes en conflit, eux, c'était de rencontrer un patient qui a des problèmes psychiatriques et qu'il devait rencontrer une fois par semaine, une fois par mois, choses comme ça. Et j'avais plusieurs infirmières à travers ma carrière d'enseignant. Et ces infirmières-là ont tous un petit peu eu la, ont tous été très motivées à le vivre, à vouloir tenter de faire l'expérience. Et chacune d'elles me sont revenues avec d'excellents retours par rapport à cette technique-là de réunification. C'est-à-dire qu'avant de rencontrer le patient avec lequel ils avaient des problèmes, ils prenaient le temps de finalement faire l'acte d'amour, c'est-à-dire se réunifier avec cette personne-là. Et en faisant ce travail-là, il y avait vraiment un travail de transformation dans la relation qui s'effectuait entre elle et la personne en question, qui permettait donc d'augmenter la qualité de la relation qui pouvait s'effectuer. Donc,
Ce que je veux faire comprendre, c'est que cette notion de se retrouver l'unité, c'est une action, c'est un acte de guérison que l'on effectue, où on accepte justement de prendre conscience que dans cet acte d'amour que l'on effectue, l'information avec laquelle on crée un cocon d'amour qu'on essaie d'amener dans notre cœur, ben, cette information est en désaccord avec nous, est en conflit avec nous, qu'elle n'est pas de bonne humeur, ben, on va apprendre donc tout doucement à échanger avec elle, à lui donner tout ce dont elle a besoin, pour tout doucement justement accepter l'idée que l'énergie peut être en colère contre nous, ou nous on peut être en colère contre elle, et qu'il y a un travail de pardon qui s'effectue. Et ce travail de pardon va nous permettre tout doucement de retrouver l'unité. Alors c'est un travail vraiment fort important, et dans ce sens-là, bien évidemment, comme tu dis justement, c'est ça rejoint la compassion envers soi-même, tout à fait. La compassion envers soi-même, c'est cette capacité que j'ai de m'aimer. Alors, on peut s'aimer consciemment. La pleine conscience intuitive, qu'est-ce qu'elle nous propose de faire? C'est s'aimer inconsciemment. C'est-à-dire, c'est pas vrai ce que je viens de dire, mais c'est un peu un jeu de mots. C'est aimer l'inconscient qui est en nous. C'est-à-dire que moi, quand je voyage en état de moi-même, je peux très bien me dire consciemment que je m'aime, mais quand je voyage dans mon être intérieur, c'est là que cet amour-là va s'exprimer ou pas. C'est-à-dire que si je constate qu'il y a des régions de mon corps que je rejette, ben j'ai beau dire que je m'aime, ces régions de mon corps que je rejette ne sont pas des actes d'amour que je fais envers moi-même. Donc, on comprend ici que cette notion de compassion n'est pas strictement intellectuelle, mais une compassion expérientielle, et que la position d'alignement contribue à nous aider justement à retrouver cette position d'amour que l'on a envers soi-même. Donc, je pense que c'est vraiment, vraiment important de bien comprendre que quand on dit retrouver l'unité ou retrouver l'amour universel, la compassion, le pardon, ce n'est pas des termes, ce n'est pas des mots qu'on lance, c'est vraiment des expériences qu'on effectue. Et c'est ça la beauté de la pleine conscience intuitive, c'est qu'elle nous propose justement des techniques très pratiques qui nous invitent à faire la paix avec soi. Et que si cette paix-là n'est pas au rendez-vous, ben quelque part, le processus intuitif va nous le mettre en lumière et va nous demander donc d'effectuer un soin, une action pour faire un travail dans ce sens-là. Donc, on a vraiment c'est un travail d'humilité. Ce travail d'unité nous pousse justement à devoir constater que tout le travail de guérison qu'on effectue sur soi, c'est un travail donc dans lequel cette forme d'humilité qu'on adresse envers soi-même, ben, va nous permettre de nous rapprocher de notre essence fondamentale, de nous rendre compte finalement que tout ce qui anime notre être, c'est quelque part d'une certaine façon une forme d'illusion, une forme de bruit de fond, pourrait-on dire, qui m'empêche moi de me connecter avec l'expression spirituel de qui je suis. Et c'est ça, quelque part, qui est l'exercice, hein, qu'on découvre à travers la pleine conscience intuitive, c'est de vraiment développer de plus en plus fortement cette expression spirituelle de soi, et que cette expression spirituelle de soi nous permet de poser un regard vers soi avec beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse, où on reconnaît quelque part qu'il y a des expressions de nous-mêmes, des états de conscience qui sont en nous, qui ne correspondent pas à la définition de l'amour qu'on s'est faite. Et c'est là qu'on apprend justement à tendre la main vers ces énergies-là pour faire la paix avec elles et de renforcer cette relation amoureuse que l'on a avec nous-mêmes et avec notre corps, puisqu'on va augmenter cette capacité d'aimer de plus en plus fortement à mesure qu'on va envahir d'amour, finalement, pourrait-on dire, notre être intérieur. Donc ça, c'était pour l'étape 4. Encore là, évidemment, cette étape-là, ben, elle va se... Je vous dirais ça comme ceci pour vous donner un petit élément pratique par rapport à retrouver l'unité. Ce que vous pouvez faire, qui est très simple, quand vous avez des douleurs, des inconforts, vous pouvez simplement imaginer que vous allez envelopper, vous partez de votre cœur, vous enveloppez la région comme si vous créez un cocon d'amour, puis vous l'amenez dans votre cœur. Et vous le faites à plusieurs reprises. Et vous observez qu'est-ce qui se passe. Soyez attentif aux images, sensations, aux mots. Prenez le temps de décrire ce que vous voyez, entendez, ressentez, questionnez. Amusez-vous un peu à travers ce genre de petit exercice-là qui va vous initier véritablement à ce qu'on peut appeler la pleine conscience intuitive, puisqu'évidemment, la pleine conscience intuitive, c'est plus que ce que je vous enseigne là, mais je vous donne des clés qui vont vous donner l'opportunité donc de découvrir un petit peu comment vous pourriez aborder la pleine conscience intuitive dans votre vie quotidienne, dans l'immédiat, dans les prochaines minutes, les prochaines heures, etc. Donc, ça vous dit, ça intéressant d'ailleurs que vous puissiez me faire des retours là-dessus, si ça vous intéresse. Maintenant, on arrive donc à l'étape 5 dans notre processus des 6 étapes favorisant la guérison de l'être. Alors, la cinquième étape, elle est importante parce que c'est la guérison, rétablir l'équilibre énergétique. Alors, jusqu'à maintenant, on a vraiment compris qu'on était donc une antenne. Cette antenne favorisait, on devait favoriser un alignement. Cet alignement-là nous permettait de voyager en soi
pour comprendre davantage qui nous sommes par le biais du décodage intuitif, nous permettait de déprogrammer la mémoire pour libérer les programmations limitatives qui sont en soi. Et on allait chercher l'unité. L'unité, c'était de se pardonner, de s'aimer dans toutes les facettes de son être. Maintenant qu'on a tout fait ça, on pourrait maintenant se dire, ben là, ça serait peut-être bien, maintenant que l'énergie est déprogrammée, que j'ai créé un nouvel ordre dans mon être, de rétablir l'équilibre énergétique, c'est-à-dire de faire en sorte que l'énergie puisse circuler d'une façon bien fluide et bien harmonieuse dans tout mon être, dans tout mon corps. C'est ça qu'on appelle rétablir l'équilibre énergétique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'équilibre énergétique? Alors, on sait maintenant qu'on a un corps fait de chair et d'os, on a un ensemble de cellules dans notre être qui absorbent et réémettent de la lumière et qui vont comme construire ou créer autour d'eux, autour du corps physique, un genre d'aura. Okay? On sait que cette aura-là, à quelque part, lorsqu'on l'observe, va nous donner des indices, des faiblesses qui peuvent exister tant dans l'aspect santé énergétique que psycho-émotionnelle que spirituelle. Donc, l'idée de l'équilibre énergétique, qu'est-ce que c'est? C'est que moi, en tant qu'intervenant, en tant qu'être intervenant de pleine conscience intuitive, je peux, grâce à cette position d'alignement, la terre et le ciel, de m'engouffrer, d'accumuler une somme de lumière très importante. Et cette somme de lumière-là, quelque part, je peux ensuite la redistribuer vers moi ou la distribuer vers un partenaire. Ça veut donc dire que moi, en tant qu'être pratiquant la pleine conscience intuitive, je suis apte à augmenter ma capacité à absorber de la lumière et je suis apte de prendre cette lumière-là pour pouvoir la rediriger dans mon être, dans des régions où la lumière circulerait moins ou vers un partenaire afin de rétablir son équilibre biolumineux dans celui-ci. Donc, cette étape 5-là, on va chercher justement à donner l'opportunité à la conscience aurique, hein, le champ biolumineux qui anime notre être, de le rétablir en rétablissant la lumière, en redonnant de la lumière dans l'être, dans la globalité de l'être avec lequel on travaille, que ce soit nous-mêmes ou que ce soit un partenaire. Alors, de quelle façon qu'on va effectuer ce type de travail-là? Bon, on sait que depuis le début des temps, hein, les guérisseurs utilisent les mains pour faire des soins. Ça veut donc dire que je pourrais, moi, diriger ma main vers mon être, à moi, et de me dire, mais tiens, je vais me soigner, je vais me faire du bien, je vais me guérir par les mains. On sait de plus en plus maintenant, et encore là, la physique quantique contribue beaucoup à nous aider à comprendre cela, qu'on n'est pas obligé d'utiliser nos mains. On peut très bien le faire dans la conscience. La pleine conscience intuitive met bien évidemment cette réalité-là. C'est-à-dire que moi, je peux très bien avoir des pensées, une conscience qui va m'amener à dire, mais tiens, j'ai envie de travailler sur ma cheville gauche et je peux très bien travailler sur ma cheville gauche uniquement par ma capacité à activer donc la lumière dans mon être et faire en sorte que la lumière de ma position d'alignement, de la terre et du ciel, puisse circuler d'une façon plus importante dans ma cheville, puis peut-être effectivement faire en sorte qu'elle se répartisse dans tout mon être par la suite pour favoriser un équilibre énergétique. Donc, vous comprenez en quelque part qu'on peut utiliser nos mains, on peut utiliser simplement notre conscience ou on peut utiliser les deux, c'est-à-dire que je peux utiliser mes mains et je peux utiliser ma conscience. Et c'est ça qui est favorisé, qui est encouragé dans la pleine conscience intuitive. Pourquoi pas, si on peut effectivement utiliser nos mains et qu'on peut utiliser notre conscience d'une façon combinée, ce serait excellent. Tant qu'à faire cela, bien évidemment, ce qu'on va proposer dans l'idée d'un soin énergétique, c'est qu'on va être attentif à comment, si je mets de la lumière dans mon corps, de quelle façon que mon corps, lui, va recevoir la lumière. Si je le fais sur mon partenaire, de quelle façon que mon partenaire va recevoir la lumière que je vais lui donner. Alors, c'est intéressant comme question parce que très souvent, les soignants, les gens qui font de l'énergétique, ont tendance à partir du principe de se dire, ben moi j'envoie de l'énergie, ça fait du bien, c'est universel, ça voit où ça doit aller, puis ça fait son travail. Moi, je ne m'en occupe pas. Par contre, quand on ne s'en occupe pas, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Alors, si notre partenaire, lui, a des résistances qui font que, par exemple, il faut savoir que quand je donne de la lumière à mon partenaire ou que je m'en donne à moi, ce que je fais, à quelque part, c'est que je donne de l'amour. Alors, si mon partenaire, par exemple, n'est pas capable d'accueillir l'amour en lui, parce que, justement, dans son éducation, il y a des mémoires, des programmations limitatives qui l'ont amené à refuser, à quelque part, toute forme d'expression de l'amour parce que lui, il se dit « je n'ai pas droit à ça, parce que je ne le mérite pas », ben si je fais un soin énergétique et je ne sais pas ce que je fais, ben quelque part, je ne suis pas en mesure d'aider cette personne-là parce que je ne serai pas conscient de la résistance qu'elle manifeste. Cette résistance-là va faire que l'énergie ne circulera pas adéquatement. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, l'idée là-dedans, c'est d'utiliser donc la pleine conscience intuitive, la déprogrammation et le soin
pour être capable justement d'intervenir pendant le soin envers les résistances qui peuvent se présenter en moi ou vers mon partenaire. Et c'est ça, quelque part, qui va être vraiment enrichir, selon moi, la notion de soin. C'est que je vais donner l'opportunité au soin d'augmenter, pourrait-on dire, la qualité du soin grâce à cette façon de fonctionner. Donc, cette étape 5-là est une étape fort intéressante parce qu'elle m'amène justement donc à vraiment mettre en lumière la pleine conscience intuitive et ses trois grands volets, c'est-à-dire le décodage intuitif, donc comprendre ce qui anime la perturbation, ensuite déprogrammer la limitation qui sont associées aux perturbations, et ensuite, bien évidemment, la technique de soin qui va permettre de rétablir le flux énergétique comme il se doit. Donc voilà, ça c'est un peu comme ça qu'on va travailler avec l'équilibre énergétique. Là, je viens de vous le présenter dans un contexte où on veut travailler sur la dimension énergétique ou encore physique d'une personne. C'est-à-dire qu'on veut soigner une personne qui est malade ou qui n'est pas qui a envie d'être régénérée, d'un point de vue de la santé vitale. On va travailler de cette façon-là. Quand on fait un travail sur soi, un peu la même chose. On va travailler sur un organe, on va travailler sur la globalité de notre corps et on va chercher à rétablir le flux énergétique globalement de notre structure énergétique. Si on voulait travailler maintenant sur la dimension psycho-émotionnelle, bien évidemment, je reviens avec l'état de conscience dont j'ai parlé tantôt. La personne qui est insomniaque, par exemple, dont je parlais tantôt, je pourrais très bien me dire, mais tiens, je vais faire un travail énergétique sur l'état de conscience qui est insomniaque. Et observer qu'est-ce qui se passe à travers le décodage, déprogrammation et soins pour permettre justement à ce que cet état de conscience qui est insomniaque puisse favoriser un état de conscience permettant le sommeil, par exemple. Vous voyez, alors, c'est là qu'on commence à comprendre que la multiconscience thérapie, c'est une technique que j'ai développée, hein, qui indique bien quelque part que moi, en tant qu'être humain fait de chair et d'os, je suis animé par un ensemble d'états de conscience. Ces états de conscience-là, finalement, sont des états qu'on pourrait dire fragmentés de mon être. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en accord avec moi. Et par exemple, la partie de moi qui est insomniaque n'est pas en accord avec moi parce qu'elle m'empêche de dormir. Donc, tout le travail va consister justement à travailler ces états de conscience-là pour permettre justement donc un travail à prendre forme pour qu'il y ait donc une résolution de problème qui puisse se réaliser le plus efficacement possible. Si on voulait travailler sur l'aliment spirituel ou sur mémoire d'autre vie, par exemple, une mémoire d'autre vie, mais je pourrais très bien faire un soin énergétique sur une mémoire d'autre vie, sur un ancêtre, un arrière-arrière-grand-père, par exemple, ou encore sur mon âme, je pourrais très bien favoriser une circulation énergétique de mon âme jusqu'à mon corps physique en passant par le niveau où se trouvent les résonances avec les mémoires d'autre vie, les résonances avec mon histoire familiale, mon histoire personnelle, mon champ énergétique, mon corps physique. Donc, vous voyez qu'on va chercher justement à favoriser donc un travail énergétique le plus fluide possible. Selon le type de travail qu'on va essayer de faire, on va avoir un regard différent pour arriver à des résultats qui vont quand même être toujours le même objectif, donc de favoriser donc une circulation énergétique la plus saine possible. Si le partenaire était d'accord pour notre intervention, son accord pour recevoir de la lumière devrait être automatique. C'est une question qui m'est posée. Je ne la comprends pas super bien. Je vais essayer de répondre comme elle me vient. Donc, le partenaire, s'il était d'accord pour notre intervention, ben, c'est que je dirais que la question suivante, c'est qu'il n'y a pas d'autre option. C'est-à-dire que quand on décide de faire un soin à une personne, c'est parce que la personne nous a donné son accord. Si elle ne nous a pas donné son accord, on ne devrait pas le faire. C'est tout simple. À moins de le faire sur une personne qui n'est pas en mesure de nous dire son accord, de nous donner son accord, et à ce moment-là, on se référerait à une personne responsable. Alors, ça serait la variante à ce niveau-là. Donc, je comprends pas. Donc, son accord pour recevoir la lumière devrait être automatique. Je ne comprends pas très bien ta question par rapport à ça, mais ce que je dirais, c'est que on doit habituellement faire un travail en conscience, c'est-à-dire qu'on ne doit pas justement commencer à vouloir faire un travail à l'insu de quelqu'un. On doit le faire en conscience, on doit lui dire « Est-ce que tu voudrais que je te fasse un soin? » Et la personne me dise « Oui ». Et si elle dit « Oui », elle reçoit le soin. Ça veut donc dire quelque part qu'il y a un accord tacite, concret et réel qui est là. C'est important ça, parce que moi, je vous dirais que ça fait quand même plusieurs années que je pratique, puis je me suis retrouvé à manger un repas durant le temps des fêtes. J'avais une personne à côté de moi qui était une cousine qui n'était pas proche de moi du tout, là, que je connaissais très peu, mais qui n'a pas parlé du tout de la soirée avec moi. Elle a refusé même de communiquer avec moi. Je posais des questions, elle ne me répondait même pas. Donc, je me trouvais ça un peu étrange. Puis, j'ai su par la suite qu'elle avait eu très, très peur de me parler parce qu'elle avait l'impression que si je lui parlais, ben, j'allais voir finalement ce qui animait son être. Comme ça, elle avait des choses à cacher, en quelque sorte. Alors, vous voyez que c'est intéressant, parce que ça met en évidence une chose, c'est que toute personne
On n'a pas envie, nous, à quelque part, de se faire lire à notre insu par quelqu'un qui aurait le pouvoir de le faire. Alors, moi, j'ai ce pouvoir-là et ceux que je forme ont ce pouvoir-là aussi. Et moi, ce que j'enseigne, puis là, ça touche évidemment l'éthique, puis ça touche à quelque part une question, évidemment, de respect face à l'autre. J'enseigne à ce qu'on ne fasse pas des lectures intuitives ou des soins à l'insu d'une personne. Comme je disais tantôt, il y a des petites nuances, mais fondamentalement, c'est quand même ça qui est mis de l'avant là. Donc, si on veut faire un soin, on doit vraiment s'assurer que la personne a donné son autorisation pour pouvoir le faire. Ici, tu disais que d'autres mémoires de ce partenaire pouvaient s'opposer à la lumière. Oui, là, tu parles donc, la question qui m'est posée, c'est que les mémoires qui peuvent s'opposer à la lumière, tout à fait. Un individu pourrait nous dire, moi, je veux que tu me fasses un soin, puis elle pourrait nous dire, je m'aime beaucoup. Et j'ai aucun problème avec l'amour, mais nous, pendant qu'on fait le soin, on constate qu'effectivement, il y a des mémoires qui semblent complètement refuser l'amour et dans lesquelles, effectivement, une grosse résistance à l'amour qui existe. Alors, vous voyez, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Alors, évidemment, il faut maintenant ensuite savoir gérer ça par rapport à notre partenaire, mais ce sont des choses qui peuvent arriver. Et dans ce sens-là, bien évidemment, c'est là qu'on parle d'un travail de pleine conscience intuitive, c'est-à-dire que la pleine conscience intuitive ne repose pas sur des conventions intellectuelles. Quelqu'un pourrait m'affirmer, moi, qu'il s'aime beaucoup, mais si je fais un travail de son intérieur puis que je constate qu'il y a des résistances en lui à l'amour, ben je vais lui refléter. Je vais pas lui dire qu'il est menteur, je vais simplement lui refléter ce que j'observe. Parce que mon objectif n'est pas d'avoir la vérité sur l'autre, c'est simplement de lui partager ce que j'observe et ce que je perçois. C'est vraiment ça qu'on va chercher à faire tout au long du soin qu'on va effectuer avec un partenaire. Donc, alors ça, c'était la cinquième étape favorisant la guérison de l'être. Alors évidemment, rétablir l'équilibre énergétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais un soin, est-ce que je vais avoir rétabli l'équilibre énergétique de la personne à jamais? Ben non. C'est là qu'il faut vraiment s'assurer de la fréquence. La fréquence, c'est que si je fais un soin à une personne qui est malade, par exemple, je vais vous donner un autre exemple qui est réel. C'est qu'à un moment donné, je travaillais quand je suivais une formation avec un guérisseur. On s'était créé un petit groupe de guérison. Le petit groupe de guérison n'était pas plus que six, et on rencontrait des gens atteints du sida à l'époque, et on les rencontrait une fois par mois. C'était ça un peu la convention qui était effectuée. Et lorsqu'on faisait ce soin-là aux personnes, ils nous revenaient nous voir le mois suivant, puis ils nous expliquaient un peu qu'est-ce qu'ils avaient expérimenté. Puis systématiquement, c'était toujours ça qui ressortait un peu. Les 2 premières semaines, c'était extraordinaire. Ils ont eu une augmentation de leur bien-être. C'était fantastique, ça a été vraiment beaucoup mieux. Et les 2 autres semaines, ils ont senti quelque part que l'effet commençait à s'amoindrir. Jusqu'à lorsqu'ils arrivaient à nous rencontrer, ben, ils étaient encore mieux un petit peu, mais ils avaient perdu beaucoup du grand bien-être qu'ils avaient ressenti pendant les 2 premières semaines du soin. Donc, je vous donne cet exemple-là pour faire comprendre la fréquence. Quand on fait une fréquence de soins, quand on fait une fréquence de soins sur soi, par exemple, et qu'on veut un résultat, ben, moi, quelque part, je dois m'assurer que le résultat, il va se faire selon, évidemment, mon ressenti. Par exemple, si je constate que à tous les 2 heures, ben, je me sens mieux quand je me suis fait un soin, ben, à quelque part, je te dirais, ben, la fréquence devrait être toutes les 2 heures. Évidemment, dans la mesure du possible. Mais à toutes les 2 heures, ça semble être intéressant. Logiquement, qu'est-ce qu'on va constater? C'est que si on le fait à tous les 2 heures, puis qu'on se sent mieux, on va peut-être constater qu'après 3 ans, on se sent encore très bien, puis après 4 ans, on se sent très bien, puis ainsi de suite. Donc, on pourrait progressivement réduire la fréquence parce que justement, on va commencer à retrouver la vitalité nécessaire pour qu'une forme de guérison puisse prendre forme. Donc, c'est ça un petit peu qu'on va chercher à faire quand on fait un soin. On va chercher donc à observer dans un journal intime. On va avoir un petit journal intime qui va nous indiquer le travail qui évolue, qui progresse dans notre cheminement, qui va nous donner l'opportunité justement de pouvoir mieux évaluer de quelle façon qu'on peut se faire un suivi pour pouvoir justement favoriser la guérison éventuellement. C'est ça un peu qu'on va se donner. Et une guérison qui peut être tant au niveau physique, énergétique, que psycho-émotionnel, que spirituel, ça sera un petit peu la même application. On va chercher donc à mesurer l'impact du soin que l'on effectue pour déterminer la fréquence qui va être à faire pour favoriser donc un soin. Maintenant, donc, la sixième étape de ce processus de guérison de l'être, c'est incarner le changement en actualisant le potentiel évolutif
qu'on a pu identifier tout au long du soin. C'est-à-dire que dans les étapes précédentes, on a pu constater qu'à mesure que j'effectuais un soin sur moi-même, à travers les diverses techniques que je vous ai proposées, on arrivait à constater qu'il y a un potentiel évolutif qui commence à prendre forme. C'est-à-dire que plus j'arrive à me sentir en harmonie avec moi, plus je constate qu'à l'intérieur de moi-même, il y a des images, des sensations, des mots qui m'informent d'un état que je suis, mais que je n'ai pas encore acquis, mais que je reconnais par moments qui est en moi, mais que je n'ai pas réussi à actualiser encore assez suffisamment. Alors, de quelle façon qu'on va procéder pour chercher à favoriser cette transformation-là, à l'incarner le changement, c'est qu'on va souvent passer par une phrase clé. C'est-à-dire, par exemple, je me sens libre d'exprimer ce que je ressens. Je me sens libre d'exprimer ce que je ressens et dans une harmonie totale, par exemple. Okay, là, c'est une phrase vraiment. Là, je vous dis ça pour vous faire comprendre quelque part que cette phrase-là pourrait être une phrase qui indique dans le présent un état. Hein, je suis dans un état présent, même si ce n'est pas vrai que je me sens libre de communiquer ce que je ressens. Hein. Je comprends que l'objectif que j'ai à atteindre, c'est de me sentir libre de communiquer ce que je ressens. Donc, le fait de le dire dans le présent, ça m'informe à mon cerveau le fait que je suis ça, que je suis ça. C'est-à-dire que mon potentiel évolutif, je l'ai reconnu et je reconnais que je suis ça. Et que plus je répète cette phrase-là devant un miroir, par exemple, je peux prendre le temps de le faire 10 ou 15 fois devant un miroir, où je prends le temps de le dire avec une assurance, avec un sentiment quelque part de confiance, où je me convainc moi-même que la phrase que je dis, elle est juste. Et quand je dis convaincre, c'est pas de convaincre avec une affirmation volontaire ou je ne sais quoi, c'est vraiment d'être dans le ton juste, de sentir quelque part qu'on habite la phrase clé qu'on a choisie et de le répéter vraiment 10 à 15 fois, le plus souvent possible dans la journée, devant un miroir idéalement, ce serait une façon de chercher justement à incarner donc le changement que l'on cherche à manifester. Bien évidemment, on pourrait aussi ajouter un plan d'action. Le plan d'action, c'est de chercher à mettre en lumière des actions qui pourraient nous aider à supporter le travail de transformation qu'on est en train de chercher à mettre en place. Alors, vous voyez que c'est à travers ce processus-là qu'on va essayer de faire pendant un certain nombre de jours. Hein. On parle souvent du fameux 21 jours, hein, le fameux 21 jours qui peut favoriser donc justement la transformation des connexions nerveuses dans notre cerveau et qui peuvent donc permettre justement un changement de prendre forme. Donc, on pourrait effectivement appliquer ça pendant 21 jours et toujours en ayant un petit journal intime qui nous permettrait de toujours finalement favoriser d'observer quelque part le travail qu'on est en train d'effectuer pour favoriser un processus de guérison le plus possible. Donc, vous voyez que finalement, l'idée de ces six étapes-là, si on fait une rétrospective de tout ça, c'est de vous aider justement à retrouver la position d'alignement, la position d'alignement qui vous ramène à l'idée que vous n'êtes pas seul, que vous êtes connecté avec la Terre, connecté au ciel. Donc, on est continuellement, nous, en tant qu'être humain, connecté avec des puissances plus grandes que soi. Ces puissances plus grandes que soi font que tout notre être est animé par cela, par la vie avec le grand V, et que ce grand V-là, quelque part, nous rappelle justement que moi, en tant qu'être humain, je suis un être fait de chair et d'os, qui est donc incarné dans la matière, qui doit donc exister dans le monde terrestre, mais en même temps qui est connecté avec un grand tout, et cette connexion-là avec le grand tout lui rappelle qu'il est parfait. Et lui rappelle quelque part que cette perfection-là lui permet justement de lui rappeler qui il est à travers les méandres de la vie. Les méandres de la vie, c'est quoi? C'est à partir du moment que je sors dans la rue, que je rencontre des gens, qu'il y a des événements de la vie qui se présentent à moi, que je ferme les yeux, que je me rends compte qu'il y a plein de choses qui se manifestent en moi, des images, des sensations, des mots, des croyances, plein de choses qui sont en moi, qui sont là, qui vont effectivement aussi m'éloigner d'une certaine façon de cette perfection-là. Donc, la perfection, plus je la développe, plus elle me rappelle à quelque part que je suis un être de lumière. Et cet être de lumière-là peut se laisser prendre, se laisser influencer par plein de potentiels, je dirais, virtuels qui sont en moi. Ces potentiels virtuels, c'est ce que j'appelle, moi, des états de conscience. Les états de conscience, ce sont des états qui sont des habitudes de vie que je peux avoir développées, qui peuvent m'éloigner simplement de cette lumière-là. Et mon rôle en tant qu'intervenant en pleine conscience intuitive, c'est de me rappeler qui je suis dans ma lumière et d'apprendre justement à me libérer, à me dégager de toutes ces fausses états de conscience-là, quelque part, qui m'éloignent de ma lumière, qui m'éloignent de qui je suis. Et toutes les étapes que je vous ai décrites
ont pour objectif de nous aider à cheminer dans cette direction-là pour parvenir donc à retrouver cette fameuse position de lumière dans laquelle je suis libéré de mes programmations, je suis libéré quelque part de mes croyances, de mes limitations et je peux vraiment me retrouver dans une position d'alignement où je reconnais ma position négantropique, c'est-à-dire sans usure, où je peux vraiment me retrouver dans mon alignement, dans ma lumière, dans mon énergie, dans ma vibration. Et c'est ce que j'aurais envie de vous dire, ben voilà, je vous le souhaite ça. Je vous souhaite qu'à chacun d'entre vous, on puisse tous ensemble, en fin de compte, parce que je me le souhaite aussi, tous ensemble qu'on puisse arriver à bâtir cette position de pleine conscience intuitive qui nous amène donc à favoriser ce grand bien-être que je vous ai proposé aujourd'hui. Est-ce qu'il y aurait des questions maintenant sur l'ensemble de ce qui aurait été vu pour cette conférence, découvrir les 6 étapes favorisant la guérison de l'être. Alors, le problème de la conférence, c'est que là, j'ai fait la conférence. Alors, maintenant, il va y avoir une démonstration après les questions. S'il n'y a pas de questions, bien, on va aller directement à la démonstration. Mais s'il y a des gens qui ont des questions, ce serait le moment de les poser. Après ça, je vais faire une petite démonstration avec une personne de la salle. Et après ça, je vais faire la présentation des promotions. Les promotions qui sont pour une durée très courte, hein, c'est-à-dire quelques jours seulement, qui donc vont vous proposer des prix spéciaux par rapport aux propositions qui sont les nouvelles que je vais vous présenter également. Parce que j'ai fait des modifications, j'ai cherché à améliorer le programme de formation le plus possible. Donc, j'ai des propositions à vous faire très spécifiques également concernant cela. Et si vous allez sur les 2 pages de vente de la formation du site thérapieintuitive.com qui se retrouve dans la page d'accueil. Vous allez voir formation personnelle et quelques secondes après, le bandeau se transforme en formation professionnelle. Donc, vous cliquez sur la formation qui vous intéresse et vous accédez à la page de vente. Les pages de vente sont actuellement en train de s'actualiser. Donc là, on est le 13 septembre. Disons que le 15 septembre ou quelque chose comme ça, peut-être le 16 septembre, 17 septembre, je vais me donner un petit peu plus de jeu là. Normalement, les pages de vente vont être actualisées. C'est-à-dire qu'il va y avoir de nouveaux vidéos, il va y avoir de nouvelles pages de vente qui ont été faites avec les nouveaux prix, les nouvelles propositions, les nouvelles informations que vous pouvez aller chercher également qui vont vous permettre donc de découvrir les nouvelles formations, les nouveaux programmes de formation que je propose. Alors, il y en a pour tous les goûts, vous allez voir, et tous les prix également, je tiens à le dire. Donc, ça peut être intéressant pour vous d'y jeter un coup d'œil. Donc, il ne semble pas avoir de questions. Donc, j'espère que j'ai été clair. Ou du moins, je crois l'avoir été puisqu'il n'y a pas de questions et j'en suis bien content. Si ça a été le cas, si j'ai été clair. Donc, la démonstration, c'est donc de le faire avec une personne de la salle. Est-ce qu'une personne de la salle qui aurait bien envie de se manifester? C'est la première qui va apparaître sur le chat que je vais choisir. Donc, il suffit de me dire moi, par exemple, et puis voilà, c'est la personne que je vais choisir. OK, donc il y a une question qui m'est posée. Donc, je vais laisser le temps aux gens aussi pour la démonstration. J'ai toujours le mollet droit qui reste imperceptible lors de l'enracinement. L'énergie saute le mollet pour passer sur la cuisse. Bon, la première chose que je te dirais, c'est pourquoi. Hein, pourquoi l'énergie saute le mollet? Donc, ça serait intéressant pour toi de, après l'enracinement peut-être, hein, dans le processus intuitif, d'aller jeter un coup d'œil vers cette région-là, qui est le mollet, pour aller chercher une information supplémentaire. Donc, ça serait peut-être une occasion de pouvoir mieux comprendre ce qui se passe. Donc, ça, c'est le questionnement. Après le questionnement, s'il n'y a pas de réponse, mais je te dirais quelque part que il y aurait à ce moment-là toujours l'idée de déprogrammer, de soigner, etc., qui vont être les étapes subséquentes. Alors, si j'ai bien compris, c'est que cette question-là que tu me poses est associée au fait que tu auras envie que je fasse la démonstration avec toi. Je n'avais pas compris ça au départ. Donc, je pensais que c'était une question. Mais effectivement, je pourrais te prendre pour faire cette question-là. Donc, le mollet droit, tu me dis. OK. Mais tu vois, moi, la première chose que je te dirais par rapport à mollet droit, ce que je sens de la perception que j'ai de toi à ce niveau-là, c'est que c'est pas juste le mollet droit. Je te dirais que c'est le côté droit qui semble beaucoup plus lourd. Tout semble beaucoup plus congestionné dans cette région-là. Et c'est tout en relation avec la responsabilité de l'action que l'on peut commettre dans la vie. Hein. C'est-à-dire que quand je dis « je vais faire une action »,
Je vais donc prendre ma jambe droite, et je vais la déplacer de l'avant. Ça veut donc dire que je fais une action. Ça veut donc dire que je fais un geste vers une action, vers une transformation, vers un choix de vie, etc. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme si, à quelque part, il y avait chez toi une très, très grande peur à oser faire ce geste-là. Un peu comme quelqu'un qui a peur de briser une harmonie ou un équilibre qu'elle a dans sa vie actuellement, et que parce qu'elle a peur de briser cet équilibre-là, elle aime mieux, à quelque part, ne rien faire. Et c'est ça un peu que je sens ça. Puis que dès qu'on interagit avec ton mollet, ce que je vois, c'est un peu comme de la vitre qui se casse. C'est un peu comme si dans ta structure énergétique, il y avait vraiment quelque chose de l'ordre un peu comme quelqu'un qui s'était construit un équilibre, mais qui est très fragile et qui a très, très peur de briser cet équilibre-là maintenant. Donc, elle n'ose plus bouger, elle n'ose pas trop faire de bruit parce qu'elle est consciente que tout pourrait éclater en mille morceaux. Je ne sais pas si ça te parle, ce que je viens de te dire. OK. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un petit peu de déprogrammation. Évidemment, comme je dis, ce n'est pas une consultation qu'on fait là, c'est plus comme une présentation, hein, quelque part. Donc, on y va plus sommairement, mais je vais quand même le faire. Tu vois, ce que je sens au niveau de la déprogrammation chez toi, c'est que la demande que ton corps fait, c'est une forme de la clarté. La clarté, c'est quelque chose de difficile à supporter. Parce que la clarté, ça implique, à quelque part, tu sais, qu'on dit être clair, c'est ça, j'aime ça, j'aime pas ça, je veux pas ça, ça me tente pas. Hein, c'est être clair, c'est être assez ferme. Et la fermeté, ça implique évidemment qu'on dévoile une puissance. Et cette puissance-là, effectivement, c'est quelque chose qui est difficile pour nous à assumer, je dirais. Parce que si on l'assume, c'est un peu comme si on allait s'effondrer. Quand je dis s'effondrer, c'est que on a l'impression qu'autour de nous, les gens, quelque part, ne vont pas nous prendre au sérieux dans cette affirmation-là, ne vont pas nous donner à quelque part de valeur à cette affirmation qu'on va faire, et ils vont, à quelque part, s'en aller. Alors, je donne un exemple, ils vont partir, ils vont nous laisser tomber. Ils ne vont pas nous donner, à quelque part, de valeur à ce qu'on a à leur dire. Alors, puis c'est là que je sens que le côté rigide de ta personne, le côté rigide, c'est de dire je veux ça. Ben, c'est peut-être pas la bonne façon de le dire. Peut-être qu'il faudrait maintenant explorer une façon de le dire plus doucement. Et plus doucement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, ben toi, ce que tu m'as proposé là, ça me fait plaisir que tu me le proposes, mais en même temps, ce que j'aurais plus envie, moi, si ça te fait plaisir, si ça te ferait plaisir, c'est qu'on pourrait faire telle chose à la place. Alors, je te donne un exemple très caricatural en te le présentant comme ça. Mais l'idée, c'est que on n'est pas dans la rigidité quand on parle comme je viens de le parler. On est dans un processus où on accueille ce que l'autre a pu nous exprimer, même si ce qu'il nous a exprimé ou proposé ne convenait pas à ce qu'on voulait, ne correspondait pas à ce qu'on voulait. Par contre, on est capable de reconnaître qu'il a fait un effort, qu'on est capable de reconnaître que c'est gentil, on est capable de lui dire aussi, c'est important, et on est capable de lui dire, ben moi, ce que j'aimerais à la place de ça, c'est telle autre chose. Donc, on est capable d'apprécier et de lui faire comprendre qu'on apprécie, puis qu'en même temps, on aurait envie d'autre chose. Donc, j'ai l'impression que de cette façon-là, il y a quelque chose de plus fluide qui pourrait en résulter dans la démarche d'affirmation que toi, tu as en toi, parce que l'affirmation qui est en toi est très forte et très puissante, mais en même temps, tu n'es pas capable de l'assumer parce que justement, cette force-là, elle n'est pas accueillie par l'extérieur. Et dans ce sens-là, c'est là que tu t'effondres. Donc, c'est pour ça que je te propose une voie médiane qui serait une voie plus cool, plus sympathique, je dirais. Je ne sais pas comment tu reçois ce que je viens de te dire. Oui, c'est ça, mais justement, je suis très carré. Peut-être que tu auras avantage, justement, je reviens avec la communication non violente, il y a des livres qui existent là-dessus, ça te tente d'explorer un petit peu ce que c'est. Ça pourrait être un initiateur pour t'aider, justement, à être moins dans ton carré, mais plus être dans la douceur. La douceur, c'est pas être doucereuse, c'est être capable de reconnaître que quelqu'un nous fait une tentative, ben, si elle fait une tentative, c'est déjà bien qu'elle le fasse. On doit l'apprécier, on doit la reconnaître, parce que sinon, si on ne la reconnaît pas, elle pourrait se sentir vexée, la personne. Et là, ça peut favoriser donc ce côté carré qui rencontre un autre côté carré, puis finalement, il n'y a aucune communication qui peut prendre forme à ce moment-là, tu vois. Donc moi, je pense qu'il y a de l'affinité là-dedans à travailler, parce que dès qu'on cherche à favoriser la circulation énergétique dans tout ce côté-là,
Il y a les plaires du ridicule, les plaires de la femme qui pourrait être ridicule parce qu'elle se mettrait dans une position de douceur, une position de fragilité, une position de féminité, une position de femme, tu vois. Alors, je pense que ce serait intéressant pour toi de travailler là-dessus. Je sais pas, je crois que tu es dans la formation, tu pourrais sans doute aller voir l'état de conscience de la femme en toi. À quoi ressemble la femme en toi? Ça serait intéressant pour toi d'explorer, pour te faire travailler sur la notion de la douceur. Je pense que ce serait un thème qui serait intéressant à explorer pour toi. Est-ce que ça va? OK, donc c'est bon. On pourrait s'arrêter ici. Sinon, tu as d'autres questions avant de terminer. C'est bon? OK, je te remercie. Alors, c'était la petite démonstration que je voulais faire. Donc, évidemment, c'est juste pour montrer un petit peu le processus, mais vous avez vu que le décodage intuitif permet de comprendre la raison d'être. La déprogrammation permet donc d'interagir, de nous mettre en relation avec un potentiel. Le potentiel, dans ce cas-ci, c'était vraiment la femme douce. Et ensuite, on a pu voir effectivement à travers le soin, l'enfoncement de cette douceur-là, puis aussi le plan d'action qui serait donc de travailler sur cette notion de la femme en toi. Alors, évidemment, on pourrait beaucoup plus approfondir, mais c'était surtout pour vous faire une démonstration sommaire de ce qui est possible de faire avec la pleine conscience intuitive. Donc, alors maintenant, c'est le moment où, pour les gens qui seraient. Donc, s'il y a des questions, je reviens avec des questions, parce que s'il y a des gens qui ont des questions sur la conférence, ce sera encore le moment pour les poser. Puisque là, je vais aborder donc ce que j'appelle donc la présentation des promotions qui existent pour les prochains jours. Les prochains jours, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que ça va vous amener, donc on est le 13 septembre, jeudi, 14 vendredi, samedi 15, dimanche le 16. Donc, dimanche le 16 à minuit, les propositions vont donc ne plus être effectives. C'est donc vraiment une offre de prélancement, en fin de compte, qui vous est proposée. Il y a donc des prix qui sont arrêtés. Et là, je vais faire des prix un peu moins chers pour encourager les inscriptions, pour vous remercier d'être membre aussi du site et de vous présenter un petit peu peut-être les éléments de base des nouvelles formules que je vais vous présenter. Donc, on va commencer. Donc, ceux qui sont pas intéressés à ces propositions-là, bien évidemment, vous n'êtes pas obligés de rester présent. Je vais simplement vous remercier d'avoir été présent jusqu'à maintenant pour la conférence que j'espère que vous avez appréciée. Et puis ceux évidemment qui sont intéressés, bien, je vais donc commencer les propositions. Je vais faire ça assez sommairement aussi, puisque je ne veux pas non plus faire que ce soit trop lourd. Sachez que vous allez recevoir un mail sans doute demain dans lequel vous allez avoir un résumé des propositions qui vous sont faites. Avec plus de détails, parce que vous allez avoir, par exemple, toutes les informations requises, et vous pourrez à ce moment-là, donc, décider d'ici dimanche à minuit pour prendre une décision dans ce sens-là. Donc, les propositions. Alors, les propositions. Donc, il y a deux formations, vous le savez sans doute, une formation personnelle et une formation professionnelle. Ça, c'est la première chose. Donc, j'aimerais peut-être vous parler de la formation personnelle pour commencer. La formation personnelle, c'est un enseignement qui s'adresse uniquement à soi-même. C'est-à-dire que ça s'adresse aux gens qui veulent faire une démarche personnelle pour eux-mêmes, pour apprendre justement à développer la pleine conscience intuitive pour eux. Il y a une nouveauté par rapport à cette formation personnelle-là, c'est que j'ai décidé de proposer trois programmes à l'intérieur de la formation personnelle. C'est-à-dire que les trois programmes ont pour des objectifs très précis. Ce qui veut donc dire que quand vous allez faire la formation personnelle, vous allez bénéficier de trois programmes d'auto-guérison, finalement. Le premier programme d'auto-guérison, c'est énergétique, donc sur la santé physique et énergétique. Le deuxième programme, c'est harmonie des émotions, donc sur l'aspect psycho-émotionnel. Et le troisième programme, alignement et éveil spirituel, qui touche la dimension spirituelle. Donc, vous voyez que ça, c'est une nouveauté. J'ai pensé faire ça parce que je me suis dit qu'il y avait un ensemble de modules d'enseignement qui avaient été conçus dans le programme de formation personnelle, et que cet ensemble de modules-là, quelque part, en les réorganisant, ça faisait quelque part qu'on pouvait donc vraiment proposer aux gens de réels programmes pour les aider justement à atteindre des objectifs très précis sur des thèmes très précis. Donc, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Donc, la formation personnelle, le début de la formation personnelle, c'est une introduction de deux modules d'enseignement. Le premier module que vous savez qui est gratuit, qui est le module 1 que vous pouvez donc obtenir en vous inscrivant sur le site, sur le blog développementconscience.com. Et le module 2 qui va vous présenter la déprogrammation et la technique de réunification, qui sont deux techniques de base. Donc, avec ces deux modules-là, vous avez la base des grands volets de la pleine conscience intuitive, soit le décodage intuitif, la déprogrammation et les soins. Donc, vous avez une première technique de soins dans ce deuxième module-là. Donc, avec ces deux modules-là, vous avez donc la base de l'enseignement.
Et à partir de cette base-là, vous pouvez ensuite commencer le programme numéro 1, qui est le programme d'auto-guérison énergétique. Alors, l'auto-guérison énergétique va consister justement à vous présenter dans le premier module, donc toutes les techniques d'auto-guérison. Vous avez également le module 4, le module suivant, le module 2 de ce programme-là, qui va vous présenter l'équilibre des chakras. Et vous avez un dernier module sur l'alimentation intuitive et évaluation des remèdes. Donc, vous avez trois modules très, très adaptés à vos besoins quand on a un problème de santé. Parce qu'on a un problème de santé, on a envie de développer des techniques de soins pour s'auto-guérir, pour s'équilibrer au niveau énergétique, au niveau des chakras et tout ça. Et évidemment, on a peut-être envie de poser des réflexions sur notre alimentation, sur la prise de médication, qu'est-ce qui est mieux pour nous, etc. Donc, on a envie quelque part d'avoir quelque chose d'assez global qui va nous permettre de vraiment se sentir accompagné. La richesse de ce programme-là, c'est que vous avez également quatre mini-consultations qui sont répartis dans ce programme-là. C'est-à-dire que vous avez une première mini-consultation qui va vous permettre de déterminer avec moi c'est quoi vos objectifs. Et ensuite, vous allez avoir des mini-consultations pendant l'enseignement qui va vous permettre donc justement de faire un suivi avec vous puis de vous conseiller à travers les techniques que vous expérimentez. Puis une quatrième mini-consultation qui sera à la toute fin donc, de l'enseignement qui vous permettra de faire le point de ce que vous avez acquis et vers quoi vous tendez. Alors, vous voyez que c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc, vous avez un programme d'auto-guérison pour vous dans la formation personnelle. Après ce programme d'auto-guérison-là, vous avez un programme harmonie des émotions qui va vous permettre également donc, de découvrir de quelle façon qu'il est possible de faire des voyages dans votre histoire personnelle, dans les mémoires d'autre vie, dans vos mémoires familiales, dans le potentiel futur. Vous allez apprendre donc à faire des voyages dans l'espace-temps pour être capable donc de faire un travail sur les mémoires qui animent votre être pour faire un décodage intuitif, déprogrammation et soins. Vous allez apprendre également à faire un travail sur les relations humaines, qu'elles soient personnelles, professionnelles, familiales, amoureuses, etc. C'est un module complet là-dessus qui est très, très complet, dont je suis particulièrement fier, qui va vous permettre donc de vraiment faire un travail en profondeur sur les relations. Donc, c'est quelque chose qui va être très, très intéressant, je pense, que ce module-là, qui va donc vraiment se complémentariser avec le module précédent, puisque le premier module, c'est un travail vraiment sur votre histoire à vous et les interactions avec l'histoire familiale, les mémoires d'autre vie et le potentiel futur. Et là, ensuite, vous avez vraiment toutes les relations avec l'extérieur, personnel, professionnel, etc. Donc, c'est quelque chose de vraiment très complet pour vous aider à faire un travail vraiment intéressant sur l'harmonie des émotions. Et vous avez donc un autre module qui va vous faire découvrir justement tout ce qu'on appelle l'auto-coaching. Donc, comment vous allez pouvoir vous auto-coaching et favoriser la transformation. C'est un module sur le cerveau quantique, en fin de compte, et la transformation. Donc, on va vraiment vous enseigner justement comment vous pouvez faire une démarche avec vous-même pour apprendre donc à favoriser une transformation de l'être. À partir du moment où vous avez fait un travail sur vous-même et sur les relations, ben on va pouvoir vous proposer justement un accompagnement pour vous aider à favoriser la transformation, favoriser l'actualisation du potentiel évolutif qui est en vous. Donc, ces trois modules-là, à quelque part, sont accompagnés de quatre mini-consultations ici. Donc, une première mini-consultation qui vous permet de voir quels sont vos objectifs, deux autres mini-consultations pour vous accompagner, puis une quatrième qui va faire le point du travail que vous auriez fait et d'évaluer ce que vous pourriez faire dans le futur pour aller plus loin dans ce sens-là. Vous avez un troisième programme d'auto-guérison qui va vous être proposé également, qui est un programme sur l'alignement et l'éveil spirituel, dans lequel vous allez découvrir de quelle façon que vous pouvez développer un contact télépathique, un contact spirituel avec votre âme, hein, de quelle façon vous pouvez vous aligner avec votre soi supérieur, de quelle façon que vous pouvez communiquer avec vos guides et déprogrammer grâce à vos guides également, et travailler sur la prospérité également spirituelle qui va être effectuée à travers cet enseignement-là. Donc, encore une fois, ce programme-là va sans doute servir à revenir sur les deux programmes précédents, c'est-à-dire le programme sur l'auto-guérison et le programme sur l'aspect psycho-émotionnel, pour pouvoir vraiment chercher à aller plus loin, mais avec un regard plus vaste et plus global, qui sera celui de la spiritualité. Encore là, vous avez 4000 consultations, donc une première pour déterminer les objectifs, deux autres pour finalement vous accompagner dans le processus, et une quatrième pour évaluer où est-ce que vous en êtes et quels seraient les objectifs que vous pourriez vous donner pour le futur également. Donc, vous voyez que la formation personnelle devient beaucoup plus riche de cette façon-là, parce qu'elle vous donne vraiment un sentiment d'accompagnement, d'objectif de vie que vous vous fixez. Alors, je pense que c'est une belle formule que j'ai proposée là. Il y a des modules, évidemment, qui s'ajoutent à ça. Un module sur
les fameux états de conscience dont je vous ai parlé tantôt, que vous allez apprendre à découvrir, qui est un module qui est proposé justement avec les chakras. Okay? Donc, c'est un module supplémentaire qui est un petit peu comme un élément de plus, pourrait-on dire. Et vous avez un module également sur l'équilibre d'un lieu également qui va être fort intéressant. Un module et des modules intégratifs aussi qui vont s'ajouter, ce qui fait que vous avez 15 modules d'enseignement dans la formation personnelle. Vous avez 12 mini-consultations et vous avez 16 webinaires, c'est-à-dire que vous avez un webinaire par mois. Donc, vous avez un enseignement par mois en début de mois et un webinaire à la fin du mois. Donc, vous avez quelque chose de très, très complet comme formation personnelle. Et c'est quelque chose, je pense, qui mérite à quelque part certainement qu'on s'y attarde. Et le prix est assez exceptionnel puisque c'est 995 euros et dollars le prix qui est demandé pour cette nouvelle formule-là qui est très intéressante. Et je vous fais un prix spécial jusqu'à dimanche, donc le 16, qui à minuit, qui est à 795, 795 euros ou dollars au lieu de 995 euros ou dollars. Et c'est pour quelques jours seulement puisque le prix qu'il va être vendu, cette formation-là, dorénavant, c'est 995 euros ou dollars. Donc, c'est pas, ça ne changera pas. C'est un prix qui est le prix qui est demandé normalement. Il y a une promotion qui est faite pour quelques jours seulement, comme offre de pré-lancement, puisque on est en train de réorganiser tout le site Internet. On va proposer vraiment une nouvelle image à l'enseignement que je donne, qui sera vraiment associé à la pleine conscience intuitive. Et c'est un peu pour lancer tout ça que je vous propose ceci. Pour les gens qui seraient intéressés maintenant à seulement faire un programme, vous avez été intéressé par les programmes que je vous ai proposés, mais seulement à un programme qui vous intéresserait plus particulièrement, que ce soit le programme d'auto-guérison, le programme d'harmonie des émotions, le programme d'alignement et éveil spirituel, ben, il existe la possibilité de vous inscrire à l'un ou l'autre de ces programmes-là. Donc, la différence, c'est que 3 000 consultations plutôt que 4 pour chacun des programmes, mais vous avez l'ensemble de l'enseignement que je vous ai présenté. Et cette formule-là, de programme que je vous ai présenté, c'est 295 euros dollars qui est demandé. Donc, c'est un prix déjà raisonnable. Et là, il y a un grand spécial, c'est 195 euros ou dollars pour l'un ou l'autre des programmes que je vous propose. Donc, encore là, c'est quelque chose d'assez intéressant pour ceux qui seraient intéressés. Vous avez toujours la possibilité de vous inscrire à l'introduction en ligne qui concerne donc les deux, trois premiers modules de la formation personnelle qui touche donc l'auto-guérison. Cette introduction-là, c'est vraiment l'introduction qui est demandée pour faire la formation professionnelle plus particulièrement. Et c'est un module qui vous présente vraiment les bases de l'enseignement qui est donné normalement dans le cadre d'un week-end d'enseignement. Et là, vous l'avez donc à 99 euros dollars au lieu de 150 euros ou dollars. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour des gens qui seraient intéressés. J'ai également une série d'enseignements qui ont été complétés dans des enseignements en ligne qui ont été faits, que je propose. C'est des enseignements qui ont une valeur de 99 euros ou dollars que je vais vous proposer à 59 dollars ou euros. Alors, là, je ne vous les présente pas tout en détail parce que je ne veux pas que ce soit trop long. Vous allez avoir un mail de toute façon qui va vous présenter l'ensemble des enseignements et sous la page YouTube de la conférence, vous aurez l'ensemble des propositions également. Donc, ça va vous donner une petite idée de ce qui est possible de découvrir pour ces enseignements-là, qui sont des enseignements complets, c'est-à-dire vous avez des enseignements de 8 heures à peu près pour chacun des thèmes qui sont proposés et vous avez un prix qui est fort intéressant pour ceux qui seraient intéressés à s'y inscrire. Vous avez maintenant la formation professionnelle. Donc, la première année de formation professionnelle, il y a eu un gros changement qui a eu lieu. J'ai choisi évidemment de l'augmenter parce qu'évidemment, je suis en train de finaliser les ouvrages. Et en finissant les ouvrages, bien évidemment, ça me donne l'occasion aussi de finaliser les enseignements qui étaient mis en place parce qu'on est un peu dans un processus de concrétisation d'un projet. Le projet, quelque part, est en train de prendre forme de façon très sérieuse. Et la première année de formation, vous vous rappelez, c'était une formation qui s'appelait Multiconscience Thérapie, Transformation Éveil et qui était orientée sur les chakras. Donc, vous avez 2 modules sur les chakras qui travaillent, donc, et dans ce cas-ci, la formation professionnelle, c'est une application sur soi et une application vers les autres. Donc, vous avez 2 modules qui vous présentent le travail sur les chakras. Vous avez un troisième module qui va proposer les thérapies projectives. OK? C'est Constellation et thérapie projective qui vous est proposé comme troisième module, qui est un module qui est fort intéressant parce qu'on va vous enseigner vraiment à développer des techniques pour libérer les émotions. Donc, le premier module vous enseigne à travailler sur les chakras d'un point de vue énergétique. Le deuxième module vous enseigne à travailler sur les chakras d'un point de vue psycho-émotionnel. Et le troisième module vous enseigne à utiliser des techniques pour libérer les émotions chez vos partenaires, chez les clients. Donc, c'est 3 modules qui sont très complémentaires finalement. Et un quatrième module que j'ai choisi d'amener également concernant le yoga,
le mouvement libérateur, yoga, respiration et méditation. Alors, c'est un module fort important pour moi puisqu'il amène justement la notion du corps et il amène la notion du corps en harmonie encore avec les chakras. Donc, on va vous proposer encore là des enseignements autour des chakras, mais avec le volet corporel cette fois-ci. Ce n'est pas moi qui va donner cet enseignement-là, c'est une professionnelle du sujet qui va vous le proposer. Donc, voilà, vous avez donc 4 modules d'enseignement plutôt que 2. Alors, vous avez déjà une belle augmentation d'enseignement qui est là. Je pense que ça vous amène une formation simplement plus solide, d'où la raison de ces 4 modules-là. Vous avez donc des mini-consultations. Vous avez 4 mini-consultations qui sont proposées dans le cadre de la formation. Vous avez 4 webinaires également, une fois par mois, à chaque fois que vous avez un enseignement. La richesse de l'enseignement ici, c'est que vous avez un week-end d'introduction en présentiel, ou bien... Et où? Parce que vous pouvez dire, mais moi, je vais faire le week-end d'introduction en présentiel et vous allez avoir accès à l'introduction en ligne. Mais vous pouvez vous dire, je ne peux pas venir le week-end d'introduction en présentiel, je vais faire l'introduction en ligne. Mais le week-end d'introduction en présentiel est inclus dans la formation. Donc, ça, c'était pour vraiment répondre à des gens qui me disaient, ben moi, j'aimerais ça avoir un enseignement en présentiel. Donc là, on cherche vraiment à proposer un enseignement en présentiel avec un week-end d'introduction et un stage de 5 jours. C'est-à-dire qu'après les 4 modules d'enseignement en ligne que vous allez avoir, vous allez avoir donc un stage de 5 jours, un intensif, dans lequel on va vraiment vous proposer de reprendre tout l'enseignement qui a été vu en ligne et de chercher à le consolider, à le concrétiser, à le rendre encore plus crédible pour vous, encore plus tangible et encore plus accessible pour que vous soyez vraiment capable d'être un bon praticien après cette année de formation-là, puisque vous allez avoir des supervisions aussi à la fin, après le stage, qui vont vous donner l'opportunité de pouvoir être formé fort adéquatement. Alors, le prix de la formation, normalement, c'est 1 495 € ou $. Alors, c'est augmenté par rapport aux années passées parce que, justement, il y a beaucoup plus de choses qui sont données dans cette première année de formation. Mais vous avez un prix spécial de 1 250 € ou $ pour d'ici, donc dimanche, pour ceux qui seraient intéressés. C'est un prix intéressant pour ce beau programme de formation qui est là. Et donc, vous allez donc pouvoir aussi aller chercher de l'information supplémentaire là, dans les pages de vente. Très bientôt, elles seront mises en ligne et je vous aviserai de cela également. Si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez toujours revenir vers moi. Vous avez aussi, bien évidemment, donc la formation professionnelle de 3 années qui, donc, par la première année qui est un peu plus chère, bien évidemment, la formation professionnelle a augmenté également. La valeur de la formation professionnelle, c'est de plus de 10 000 € ou $, OK, en valeur de contenu, tout ça, puisque ça inclut la formation personnelle dans sa totalité, donc la formation telle que je vous l'ai présentée au tout début, elle est présentée en totalité dans la formation professionnelle. Et vous avez en plus tout l'enseignement de la formation professionnelle touchant les 5 spécialisations qui sont vues à travers 3 années. Et la formule, donc, elle a un certain prix, une certaine valeur. Et je vous la fais donc à 3 250 € ou $ pour ceux qui seraient intéressés à la formation professionnelle. Donc, vous avez 12 000 consultations, vous avez plusieurs stages. Vous avez 3 stages de 5 jours, un week-end d'introduction, vous avez un ensemble d'enseignements vidéo. Donc, vous avez quelque chose de très, très riche comme formation professionnelle pour ceux qui seraient intéressés, donc, à le découvrir. Donc, voilà, c'était un peu ce que j'avais envie de vous partager au niveau des promotions. Alors, n'ayez crainte, hein, vous allez recevoir un mail demain qui va vous donner un genre de synthèse de ce qui aurait été présenté et les pages de vente sont en partie déjà en train de vous présenter le contenu. Donc, ceux qui seront intéressés bien, pourront jeter un coup d'œil sur des vidéos que je vous mettrai en lien demain dans la page, dans le mail que je vais vous envoyer, qui vous permettra donc de découvrir un petit peu plus clairement les diverses offres, les diverses propositions qui sont là et de pouvoir faire un choix si vous avez un désir de vous inscrire, puisque c'est une promotion, une très belle promotion, puisqu'à partir donc de lundi, bien évidemment, les prix seront les prix qui sont présents sur les pages de vente tels qu'ils sont présents à ce moment-là, qui sont déjà des très bons prix, hein. Sauf que là, on fait un plus véritablement pour vous aider à vous inscrire si vous êtes intéressé à découvrir la pleine conscience intuitive. Donc voilà, alors j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez eu du plaisir à partager avec moi cette petite conférence. J'espère que de vous retrouver très bientôt pour un événement que vous recevrez donc par invitation, par mail. Je vous dis à très bientôt. Très belle fin de soirée à chacun d'entre vous. Merci et au revoir.